Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur Holicube, le petit stream du mercredi. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, enfin en tout cas un bon début de mercredi. Vous êtes prêts à passer ce début d'après-midi en ma compagnie. Et donc salut à tous, je vois, mais 91, vous êtes fous, vous êtes déjà 91. Et donc salut Maxime, salut Redstone Artist, salut Mickaël, salut Viking du Terre-Terre, salut Lo Multicard, salut Homo Purgea, alias The Purge, salut Mister Bololé, salut Lustation, je crois que je ne t'avais pas encore salué, salut The Queen of Fools, salut Nathan, salut Canardo, salut Scarft. Un énorme merci à Mister Bololé qui sub pour le troisième mois. Bienvenue, Mister Bololé, dans la confrérie des enclumes d'acier, puisque tu as la petite icône des enclumes d'acier. Ah voilà, il me semblait bien. Merci beaucoup Bazon pour ton host, mais je l'ai pas vu, j'ai pas vu l'alerte passer. Un énorme merci à toi Bazon. J'espère que ton stream s'est bien passé. Et bienvenue aussi à AsGamingB, bienvenue à Aurélien Leroy, bienvenue à tous, voilà le petit raid. Il me semblait bien encore, ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait quand même bizarre. Merci à toi, Bazon. C'est très, très, très gentil de ta part. Alors, les amis, nous sommes, comme tous les mercredis, au rendez-vous de la bourse pour mettre à jour les cotations. Et salut Puma, salut Léozold, bienvenue à vous. Et donc, nous allons mettre les cotations à jour. Comme d'habitude, je vous bascule sur la Oranacam avec les cotations, les graphiques en cours. Et puis, on va prendre notre petite hache et nous allons toc 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 mettre à jour ces cotations. Vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était le crack boursier, la grosse chute, 23% de mémoire de baisse, donc grosse chute de la bourse. Et du coup, bah la bourse est encore en baisse aujourd'hui. Nouvelle baisse aujourd'hui. Alors, c'est pas le cas de ABC. ABC, comme vous pouvez le voir, ABC est en hausse de plus 33,33% à 12 diamants. Oula, il faut pas que je renverse mon café quand même, ça serait pas terrible. 12 diamants par action. Alors c'est une des rares hausses, il y en a pas beaucoup, il y en a 3 des hausses cette semaine. Donc en voici une. ABC qui profite en fait du fait qu'elle va dépenser des dividendes intéressants. Et salut Granote. ABC va faire des dividendes intéressants pour le mois de novembre. Donc voilà, une des rares sociétés qui est orientée à la hausse. Bon, la Bacorp. Alors la Bacorp, puisqu'on parlait de Bazon, Bacorp à la baisse cette semaine, tout simplement parce que la semaine dernière Bazon était bien parti, mais malheureusement -33% rattrapé par la crise, hein, tout simplement. Bazon rattrapé par la crise, comme un petit peu toutes les entreprises du Cube 40. Il faut savoir aussi, j'ai l'impression que mon micro sature quand même, hein, je parle trop fort.
Est-ce que j'aurais pas... Attendez, je vais vérifier un petit truc. Alors évidemment. Le Covid-19. Ah, si seulement. Voilà, ça c'est bon. Pourquoi je sature? Eh ouais, alors attendez. Hop, là je vais saturer un peu moins normalement. Un peu moins. Bon, on verra au fur et à mesure. Non, je sature toujours. Hein. Je parle trop fort en fait. Je suis à combien là? Alors, on va faire comme ça. Mais je suis un peu... Ouais, non, ça a l'air d'être... ouais, c'est un peu fort. Dites-moi si ça sature trop, si c'est pas très agréable pour vous. Après, je peux éloigner, hein, tout simplement, le micro. Puisque... Bah, sauf qu'il va dans mon café. On n'entend pas de saturation. Ok, d'accord. Bah, j'ai les niveaux qui sont pas tip-top, mais bon, on n'entend pas de saturation. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, c'est KMZ. Alors, attendez, il faut que je remette tout ça. Voilà, CKMZ est en baisse également, donc une baisse un peu plus prononcée sur le long terme. On est donc à... Touk, touk. Voilà, on est donc à moins 11,11% et on est à 16 diamants par action. Donc toujours le même topo, hein. La crise, la crise. Yes, Maxims. Yes, yes, yes. Cube 40, et bah, qui continue sa baisse, hein, tout simplement. Les actions ne se vendent pas, les prix chutent. Donc, les perspectives de bénéfices s'éloignent. Encore un peu plus pour Cube 40, qui perd 20% et qui n'est plus qu'à 12 diamants par action. C'est la crise, ma pauvre dame. Orana Corp, bon, fidèle à elle-même, hein, on est dans le ventre mou, hein, du cube 40 avec Orana Corp, hein, on est à moins 10%, donc bon, je vais mettre juste comme ça, rien de trop grave, mais on est à 9 diamants par action, donc Orana Corp qui ne décolle pas, hein, qui ne décolle pas, je sais pas pourquoi j'avais pu le copier-coller, hop, on le reprend. Donc, alors, plus surprenant, SI Colorant. Alors là, par contre, c'est la chute. Chute dans le peloton. SI Colorant qui est en forte... Et qu'est-ce que j'ai... Non. Voilà, pardon. Pour les changements de scène, hein, c'est à cause de mes raccourcis clavier. Mais ça ne devrait pas trop durer. Donc, SI Colorant qui est en baisse de 36,84% à seulement 12 diamants par action. Alors là, très clairement, on est sur une grosse chute parce que pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle de IKA au sujet des dividendes. Donc les experts sont inquiets. Le mois dernier, vous vous souvenez, hein, pour le mois d'octobre, tout le groupe Stonks Industries, dont iColorant fait partie, avait décidé de ne verser aucun dividende. Et de ce fait, les actionnaires avaient sanctionné l'entreprise et ça avait freiné une hausse qui était quand même assez remarquable. Hein. On le voit bien sur la courbe qu'on a une hausse quasiment continue, puis après une stagnation. Et là, du fait de la crise, c'est la chute, même si ça avait commencé un petit peu avant. Voilà, donc à voir. S'il y a des dividendes versés pour le mois de novembre, peut-être que ça remontera la semaine prochaine, c'est ce qu'on espère. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Poiscaille bah, est en baisse aussi. Alors, baisse très légère, mais baisse quand même. Donc, pour les mêmes raisons, hein, toujours nous sommes dans l'attente. Est-ce que Stonks Industries va verser des dividendes à ses actionnaires? C'est pas sûr. Donc, on est à 27 diamants. Oula, pas 227. 27 diamants par action. Toc. Et enfin, UBS, voilà, petite parenthèse, Stonks Industries, hein, en baisse aussi, hein, moins 13,89%, on est sur un plus bas niveau historique. Hein. On est, ouais, c'est pas terrible, terrible. Hein. J'en ai Red à l'industrie aussi, hein, qui était la grosse chute
De la semaine dernière, bah, continue sa chute. On est à moins 20% cette semaine. Oui, le multicard, c'est le crash boursier, tout à fait, c'est le crack boursier entamé la semaine dernière. La semaine dernière, on était à moins 23% pour le Cube 40, et là, on est encore dans le négatif. C'est le crack boursier, hein. La plupart des actions sont orientées à la baisse. Donc c'est le cas également de UBS, la future banque. Je rappelle que UBS, ça veut dire Universal Bank Service, c'est un nom provisoire, la banque universelle, hein. C'est un nom provisoire, et nous attendons le feu vert de Magic et de tous les éventuels acheteurs pour lancer la vente aux enchères de la banque. Mais ça, voilà, ça se fait attendre. Donc là, on est à moins 4,76% à 20 diamants par action. Alors, hop, que je revienne en jeu. Voilà, donc on est en baisse toujours, toc, toc, et nous sommes donc à moins 4,76%. Red Hal s'effondre à cause de Viking, ça ne nous regarde pas, arrête son artiste. Et j'ai Womb, c'est moi, j'ai fait crash le serveur, les actionnaires paniquent suite à ça. Possible. Alors, 20 diamants par action. On verra ce qu'il en sera lors de la vente aux enchères. Est-ce qu'on atteindra 20 diamants par action? C'est pas sûr. Hein, ça... Parce que là, 20 diamants par action, ça fait une valeur de 2000. Donc ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un débourse 2000 diamants pour acheter la banque. Une intervention de l'État pour sauver les banques. Là, pour l'instant, c'est pas prévu, mais j'en parle dans l'épisode de Holy Business qui va sortir samedi. J'analyse sur le long terme les causes fondamentales de cette crise boursière, sachant que la semaine dernière, on a eu des informations sur les causes à court terme, hein, sur les dessous de la vie de PDG de certaines entreprises, hein. Non, ça ne regarde pas, mais voilà. Et là, dans l'épisode de samedi, on revient sur les causes vraiment à long terme et avec plus de solutions pour éventuellement envisager une reprise, et ça passera effectivement par l'intervention de l'État. Le multicard, ça paraît important. Donc, au final, ce mercredi, le cube 40 baisse, donc on est en baisse, hein. On est, hop, cube 40, on est donc en baisse de moins 13,28%, et nous ne sommes plus qu'à 1114,92%. Points, donc un indice, hein, qui revient quasiment à 100 points près. On est quasiment revenu au point de départ, c'est-à-dire que plusieurs mois de croissance ont été effacés. Moi, ça m'arrange si on peut ruiner l'actionnariat au profit du salariat, mais c'est mon côté anticapitaliste. Ah, je comprends mieux pourquoi ton pseudo s'affiche en rouge, Jérôme. Et salut Thierry. Et oui, c'est le peuple qui se serre la ceinture. Bon, allez, du coup, sur ce, hop, fin du RP autour de la bourse. Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hop, youp, youp, youp. On va, de ce pas, rentrer dans nos petites penates et retourner dans l'espace, puisque nous allons nous attaquer aux plateformes d'atterrissage de la base, de la tour de commandement, et j'ai hâte de continuer avec ça avec vous. Lundi soir, on s'était arrêté assez tôt, tout simplement parce que je m'endormais devant mon PC, la fatigue de la journée, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'avais hâte de reprendre ça avec vous. C'est par ici, hop, on va mettre notre petit bateau, hop. Ma mère est rentrée dans ma chambre et pensait que je ferais un cours à distance de maths. Mais c'est parfait, Raph. Avec les graphiques et tout, je pouvais donner le change. C'était la bourse, tout ça, ça marchait, ça marchait. Et merci Scrapitou pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Et donc, on va aller de ce pas dans notre petite bazounette. Bon, est-ce qu'on va avoir une snapshot aujourd'hui?
Je sais pas. Est-ce que vous avez des infos à ce sujet ou est-ce que c'est comme d'habitude, on le saura au dernier moment? Mais je serais curieux de savoir ce qu'on pourrait avoir comme snapshot. Après, on est bientôt dans les fêtes de Noël. Est-ce qu'ils vont pas mettre en pause un petit peu les snapshots et puis laisser passer les fêtes? Je ne sais pas. Ouh. Bazounette, on m'a appelé. Bazounette, j'ai dit ça moi? J'ai dit ça. Ah oui, ma bazounette, mais oui! Oui, ma petite base, ma bazounette. Non, c'est ton petit surnom, hein? Bazon. Alors, n'oublions pas de cette note spawn ici. Ah bon, en plus, on peut dodoter, c'est parfait. Ça fait longtemps que j'avais pas dormi. Vous remarquez que je dors avec mon épée, hein, la confiance ne règne pas. Hop! Soverland. On va reprendre quelques fusées, je pense. Hop! Bon, moi, ça a été un petit peu la course. Ça a été un petit peu la course aujourd'hui. J'avais une formation à distance ce matin. Qui a pas duré très longtemps, hein, une heure et demie, mais bon, quand même. Du coup, après le ménage, l'enregistrement du Holy Business, plus le repas, j'avais des corrections à faire que je n'avais pas pu faire hier. Bref, c'était un peu short pour commencer le stream à 14h, mais je tenais vraiment à faire ce petit stream du mercredi après-midi tant que j'en ai la possibilité. Pendant les vacances, il n'y en aura pas. Malheureusement, il y aura toujours, bien sûr, les streams le soir, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il n'y aura pas de stream les mercredis après-midi, puisque je ne serai pas tout seul chez moi à la maison, donc, mis à part cas exceptionnel, il n'y aura pas de stream. Tac, tac, tac. On est bon, du coup. Du coup, ah oui, c'est vrai, on avait commencé à faire la plateforme ici. Donc, on avait terminé cet étage. Et je pense qu'après, il va falloir qu'on prenne. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ce problème de spawn. C'est vrai. Hop. Donc là, c'est normal qu'il manque des blocs parce qu'ils sont pas utiles. Donc on va passer tout de suite à cette couche-là. Et là, c'est de la stone. Et sur le côté, c'est de la pierre noire avec des escaliers en roche noire. Ok, et de la stone. Ok, very good. Très bien. Alors, on va prendre des fusées tout de suite. Parce que je ne tiens pas à manquer de fusée si des fois je tombe dans l'end, dans le néant pour je ne sais quelle raison. Le bateau, on peut le poser, ça va capturer d'autres Endermen. Donc la stone, il va m'en falloir pas mal. On peut peut-être poser les dalles de roche dont on n'a pas forcément beaucoup besoin. On va prendre juste un stack. Et du coup, roche. On va en prendre quelques stacks. Il faudra qu'on redescende de toute façon. Hop! Non, Lustation, pas d'easy place mode en ce qui me concerne. Non, non, non. Alors, je connecte Laura Nakam. Elle était dans la zone commerciale, donc je vais la TP pour pouvoir refilmer dans l'end. Et après, on se met ça. Du basalte? Ouais, j'en ai du basalte. Où c'est le basalte? Alors, nous sommes donc là, mais c'est pas là qu'on va rester. Oran. Tac. Donc, cet après-midi, j'aimerais bien faire les deux plateformes de spawn. Donc, les deux plateformes de spawn. Les deux spatioports. Donc, celle-ci. Cette plateforme-là et l'autre de l'autre côté qui est au même niveau. On va voir si on a le temps de faire ces deux choses-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre la Ora Nakam ici. Comme ça, je la tourne par là. Et puis, quand je changerai de spatioport, je la tournerai par là. Voilà.
Ah, le petit tacle gratuit. Non, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est autorisé sur l'iCube. Donc, moi, il n'y a pas de problème. C'est juste moi, personnellement, je préfère pas l'utiliser. Mais vu la taille du Tera de l'ami Bazon, je ne juge pas. Allez, zou! C'est parti, mon kiki. Bon, alors, j'ai changé de téléphone portable parce que ma chérie a remplacé le sien et donc moi j'ai récupéré le sien à elle qui est plus performant que celui que j'ai actuellement. Mais par contre, je suis un peu déception. C'est un Redmi Note 5, donc il a quelques années maintenant, mais il est pas si pire que ça. Et je suis un peu déception parce que j'aurais voulu jouer dessus à Genshin Impact et malheureusement. Malheureusement pour Genshin Impact, et bien en fait quand je vais sur le Play Store, ça me dit que mon téléphone n'est pas compatible. Et quand je télécharge l'APK librement sur Internet sans passer par le Play Store, et bien en fait j'ai un léger souci qui fait que le jeu s'installe, donc j'ai téléchargé les 7 gigaoctets de mise à jour, tout ça, tout ça. Et puis au moment de lancer la partie, ça me dit que ma version n'est pas à jour, alors que elle l'est techniquement, puisque c'est le jeu qui a téléchargé tout seul les dernières données et qui a eu aucun souci. Est-ce que vous... Ah, d'ici peu, je vais commencer un gacha, tu viendras. Quel gacha? Quel gacha? Moi, je suis pas très gacha. J'arrive rarement à m'investir dans un gacha très longtemps. Mais voilà. Et du coup, est-ce que vous avez, vous, dans le chat, un Redmi Note 5? Est-ce que vous avez essayé d'installer Genshin Impact? Et est-ce que vous avez réussi? Oui, ça fait beaucoup de conditions dans ma question. J'ai peu d'espoir de trouver en vous une réponse. Mais voilà. Parce qu'en fait... Red Shadow Legend. Non, tu vas commencer ça, Bazon? T'es pas sérieux. Je connais pas du tout, hein, donc ma question n'est pas sur le fond du jeu. Hein, ça se trouve, c'est un très bon jeu. C'est juste que, voilà, c'est devenu un mème, quoi, Red Shadow Legend. Oui, t'es sérieux. D'accord, ok. Et c'est bien, alors? C'est vraiment bien? Je sais pas hein, si je vais m'y mettre à Red Shadow Legend. Hein. J'ai même, pour ainsi dire, je ne sais même pas trop ce que c'est. C'est un univers fantasy? C'est... Mais bon, hop, j'aime les gachas, donc oui. Ok, d'ailleurs, Bazon, si tu... Attends, je vais me mettre en vocal, si tu veux. Hop. Hop. Mais ouais, Red Shadow Legend. Alors, donc voilà, donc Genshin, c'est aussi une sorte de gacha, hein, mais en mode solo, ce qui me tentait bien. J'y ai joué un peu sur PC, mais en fait, le truc, c'est que quand je suis sur PC, je joue à Minecraft, quoi, en ce moment. Donc, en fait, je me disais, pourquoi pas essayer la version mobile pour y jouer de temps en temps, éventuellement, quand je n'ai pas mon PC sous le coude, quoi. On m'entend pas. Hey, salut, je t'entends. Ah, mais t'es pas avec le bon... Toi, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais attends, je vérifie parce que là j'ai installé ma nouvelle webcam et je pense qu'il prend sur la webcam. Ah non, c'est bon, normalement tu m'entends bien. Moi je t'entends bien, là c'est non, ça va. C'est bon, c'est bien le bon. Ah, dès que tu commences à installer une nouvelle périphérie, oui, Discord, oui, il a changé à chaque fois. Donc... Discord il panique, il est en mode panique, nouveau périphérique, panique. Bon, comment vas-tu, bah? Ça va très bien et toi? Ah, très très bien. Alors ton Tera il avance parce qu'il est énorme. Ouais, il reste 3-4 couches. Ah, nice. Sur l'arrière, j'ai déjà fait tout, mais il manque plus que tu sais, la descente sur la fin. D'accord. J'étais passé voir en mode. En mode ninja, je sais plus quel soir, tu posais du bloc. J'avais vu vite fait. Ouais, donc oui, je sais que t'es à fond gacha. J'aime bien les gacha, ouais. Mais il n'y en avait pas un sur lequel tu faisais vraiment beaucoup de streams et tout qui marchait bien récemment? Ouais, c'était Seven Deadly Sins, le jeu du manga. Mm-hmm.
Mais comme tous les gachas, en fait, t'as souvent une période de hype dès le début, hein, et après, ça s'essouffle très rapidement. Sauf certains jeux, comme Summoner's War, comme Red Shadow Legend, comme... bon, c'est tout. D'accord. Voilà. Parce que, pour le coup, ouais, c'est ce que je disais, moi aussi, j'ai déjà joué à des gachas, mais je m'en lasse très vite, en fait. Et j'ai jamais investi beaucoup d'argent. Après. Du temps, un peu, oui, mais de l'argent, temps, voilà. Bah, l'argent, pas forcément, mais non. Hop. Mais ouais, il a l'air sympa comme jeu. Enfin, moi, je sais que j'ai regardé pas mal de vidéos avant de commencer, pour être bien... pouvoir donner un maximum de conseils, etc., dès que je vais commencer. Et voilà, quoi. Mais bon, faut que j'attende un peu. Et donc, Red Shadow Legends, c'est dans un univers fantasy, ou c'est dans un univers... C'est un univers fantasy, mais qui se rapproche un peu de factions, genre World of Warcraft. D'accord. C'est-à-dire que t'as des orques, t'as des elfes, mais c'est beaucoup plus adulte que, par exemple, Summoner's War. Je sais pas si t'as testé Summoner's War. Non. Qui est beaucoup plus fantaisiste, féerique. Là, c'est vraiment... ouais, en termes de graphisme, on est sur du Skyrim, tu vois. Enfin, d'accord. Je sais pas... Dans le style, ouais, quoi. Dans le style, ouais, style assez... Enfin, les personnages sont assez bien faits, c'est pas du joli. Ouais, c'est pas cartoonesque, c'est pas voilà, manga. Voilà, c'est plus du réaliste, voilà, exactement. Okay. Ok. De toi, l'Enderman. Tu nous embêtes. On va aller parler poliment. Non, bah, moi je suis toujours sur ma tour de commandement. Ça fait déjà pas mal de temps. Mais ça progresse. Alors normalement j'ai augmenté le volume du son de Monsieur Bazon, donc vous devriez mieux l'entendre, ça ne change rien pour toi bas. Ah oui, c'est vrai que j'avais ce souci de mon beacon qui passe en plein milieu. Bon, c'est pas grave. On va pas mettre de bloc. Bon, c'est la crise à la bourse. Donc ta société n'échappe pas. Je pensais que c'était lié à la grosse crise sanitaire que j'ai eue dans ma base. Non, pas directement. Ouais. Non, c'est plus un effet de boule de neige. Hein. D'accord. Mouvement de panique généralisé, les investisseurs. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, les ventes sont assez calmes. Yes, bah voilà, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont déclaré des bénéfices faibles. Pas du tout de bénéfices, donc voilà, c'est un peu l'inquiétude sur les marchés. Oui, c'est vrai. Après, j'ai quand même eu un bon mois. Hein. Bah, la semaine dernière, ouais. Je vais te donner le double parce que je t'avais pas donné encore les l'année dernière, les mois derniers. La semaine dernière, t'avais échappé à la baisse parce que justement, oui. Tu avais annoncé des bénéfices intéressants par rapport à d'autres entreprises, mais voilà. Mais t'es quand même rattrapé par le climat un peu maussade des affaires. Est-ce que Noël peut relancer la bourse? Je ne sais pas si les économistes croient au Père Noël. Je ne sais pas. C'est ça. Oui, j'ai oublié l'annonce sur Discord. Oui. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Désolé, chérie Marie. Hop. Mais en tout cas, bienvenue. Hop. Est-ce que tu t'es inscrit pour participer, justement, en parlant de Noël, au petit... c'est pas un jeu, mais au petit micro-event qu'a proposé l'Artac? Oui. Ah, nice. Oui, oui. Je suppose qu'il en a déjà parlé à ses viewers, donc on ne spoil pas. Oui. En fait, ceux qui ne sauraient pas, Vartak a mis en place dans la zone commerciale une petite boîte dans laquelle on peut mettre notre nom. Et tous ceux qui auront mis leur nom, en fait, se verront, verront un tirage au sort et une personne leur sera attribuée en quelque sorte. Et donc chacun devra mutuellement se faire un petit cadeau sur Olicube. Je trouve ça très sympa. J'ai vu que la date limite c'était aujourd'hui, donc je suis allé vite mettre mon petit ticket hier soir. On est pas beaucoup, hein, je crois. Hein. Non. C'est pour ça qu'hier il a fait une petite relance. Ouais. Donc du coup, le moment est bien choisi pour te demander qu'est-ce que tu veux à Noël,
Bah, faut voir si tu me... Enfin, j'allais dire si tu me tires, mais avec tout le respect que je te dois, mais... si tu tombes sur mon nom. Ah oui, 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 je cherchais le sens de, ton, de ta formule. Si je... Oui, oui, non, mais rien n'empêche de faire ta liste. Ça peut me donner des idées pour d'autres, en fait. T'imagines, je pourrais offrir tes cadeaux à quelqu'un d'autre. Bah, je t'avouerais que j'ai un peu tout. Enfin, je manque pas de grand chose, donc... Ouais. Après, ça peut être... Après, ça dépend. Si c'est, ça peut être un... Ouais... Un build ou un truc comme ça, ça peut être sympa. Mais... C'est vrai que ça peut être ce genre de cadeau-là, effectivement. Hop. Mais du coup, comme tu avances sur ton Terra, que tu as beaucoup avancé sur le hub du Nether, qu'est-ce qui te reste à faire? Bah là, j'ai un projet qui commence samedi pour le live Téléthon. Ah, nice. Donc ça, voilà, mais ça, ouais. Donc, j'avais demandé à certaines personnes s'ils pouvaient m'aider pour le pattern, mais j'ai jamais eu de réponse. Ou ils m'ont dit oui, je viendrai. Voilà. Ouais. Donc, voilà, parce que j'ai un peu de difficulté sur ce type de build, mais bon. Donc c'est samedi, je suis complètement perdu dans les dates, le temps file tellement vite. Donc c'est samedi, tu streams sur ta chaîne toute la journée et les dons sont faits au profit du Téléthon, c'est ça? Exactement. Et donc libre à ceux qui le souhaitent de venir te filer un coup de main. Tout à fait. C'était ça, c'est le principe que tu avais. C'est vraiment, c'est recommandé. Après, ok. Ouais, la seule condition, entre guillemets, c'est que comme je serai en stream, il faut que la priorité, enfin surtout sur un live caractéristique comme ça, la priorité est quand même au chat et au. Voilà, pour que je puisse annoncer. Oui, oui, tout à fait. Gens, bah, samedi, alors, j'ai pas mal de boulot IRL qui m'attend ce week-end, mais j'essaierai de passer, à la limite, je serai probablement pas en vocal dans l'après-midi, pour moi, c'est très compliqué puisque. Il y a la sieste du petit qui est juste à côté. Et autant dire que son sommeil est quand même nettement moins profond l'après-midi que le soir. Forcément. Mais par contre, je passerai avec plaisir te filer un coup de main, du coup. Ah bah, si j'ai la possibilité, quoi. Si j'ai fini mon boulot IRL, je passerai. J'essaierai de passer. Et si un soir, d'ici là, t'as du temps ou autre chose et, si je puis te montrer à peu près ce que j'avais prévu, si t'as des idées de pattern ou autre chose, c'est avec grand plaisir également. Yes. Après, tu veux que ce soit surprise, donc faut pas que ce soit en stream. Oui, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Je stream trop en fait, ça va être compliqué. Bah, je suis pareil. Hein, tu sais. Bon, c'est pas que je stream beaucoup, c'est qu'en fait, dès que t'as 5 minutes, enfin, dès que j'ai une heure, je stream quoi. Ouais, donc bon. Est-ce que Steelers et Shuka participent au cadeau de Noël? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais offrir du sirop d'érable. Mais... Oups. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et merci pour les follow. Ouais, sinon IRL, ta liste de cadeaux de Noël, bah. C'est le problème aussi en fait. C'est qu'en fait, dès que j'ai envie de quelque chose, je l'achète en ce moment. Parce qu'en fait, souvent c'était lié au stream, tu vois. Yes. Stream, etc. Mais là, tu vois, j'ai eu mon nouveau PC il y a 2 semaines. Ah oui, c'est vrai, on en avait pas parlé. Enfin, on en avait parlé avant. Et du coup, alors, cette bête. C'est un monstre. C'est un monstre. Génial. Enfin, pour Minecraft, je t'avouerais que c'est un peu overkill, mais bon, avoir 300 DPS, c'est pas mal. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, 600. T'as 500 FPS sur, sur Minecraft. Ouais, là, je suis à 200, ouais. Après, ça dépend. Ouais, 250, 300. Ouais. Mais sinon, et là, je viens d'acheter j'ai changé de webcam. Yes. La mienne avait plus de 10 ans. Ah oui. Elle était bien, mais elle avait plus de 10 ans. Et là, je suis passé sur le monstre, un peu aussi. C'est quoi? J'ai pris une Logitech Brio. D'accord. En 4K. Ah oui. Ouais. Oh, voilà. Ah oui. En fait, une fois que, enfin, quand tu, enfin, pour le step up et pour l'opti, enfin, tout ce qui est optimal, soit tu pars sur un Cam Link avec un appareil photo. Ouais. Et là, t'en as pour 800 euros à peu près. Ouais. Mais c'est beau le rendu après. Enfin, je vois tous les streamers qui font ça. Oui, mais. Bah 800 euros pour la webcam, sachant que moi je suis en fond vert, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, les gens qui ont une belle config derrière, etc., qui font des vlogs, etc. Moi, il y a mon petit écran en bas à droite, tu vois, enfin, c'est pas, ça sert à rien. Alors, je dois vous laisser, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Je redans 3 secondes.
sais pas si vous m'entendez encore au cas où. Hein. Je vais vous faire la lecture en attendant. Enfin, la lecture. Ah. Le blablatage. Donc ouais, non, je sais pas pour Oran. Je sais qu'on était 5-6 seulement, malheureusement. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font plein de trucs au parallèle. Par exemple, je crois que... Ouais, non, c'est bon. Auré, en ce moment, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'il n'est pas venu. Si, il est venu il y a pas longtemps. Mais je pense qu'il est sur d'autres projets, là. Peut-être des projets de vidéos, ou etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même énormément de choses à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui participent pour l'instant à cet event-là. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de monde sur le serveur. Hein. N'est-ce pas, Auran? Yes. Non, je te laisse. C'est... Tu animes mon stream. Bah, c'était des colis, comme d'habitude. Rien d'important et rien de grave. Oui, donc tu disais que tu avais une très bonne caméra, du coup, maintenant. Donc là, ouais, bah, j'ai pris une webcam. Donc voilà, comme je dis, ça faisait 10 ans que je l'avais, celle-là. Donc je suis assez content, quand même, de l'ancienne. Je la garde en caméra secondaire. Mm-hmm. Mais, du coup, tu as fait un setup avec deux caméras? Alors en fait, j'avais déjà un setup avec une deuxième caméra, mais c'est une caméra que mes parents avaient reçue alors qu'ils avaient rien commandé chez Amazon. ils ont reçu 5-6 colis comme ça. Ils avaient rien commandé, c'est arrivé chez eux. Donc bah ils ont cadeau de Noël, voilà, on en parlait. Voilà, c'est ça. Et donc bon, c'est une caméra à quoi, 20-30 euros. Donc bon, ça allait pour eux, parce qu'en fait j'ai une. Ah oui, c'est pour les fourmis. Pas forcément. En fait, via les points, je fais un changement de caméra pendant 5 minutes. D'accord. Donc c'est juste un petit, voilà, c'est juste, ça permet juste de me voir en d'un autre angle, sans le fond vert, etc. Bon, c'est, voilà, ouais, c'est sympa. C'est contre les points de chaîne. Et donc là, bah, je fais l'autre, la troisième, je pense qu'elle va servir à rien. Parce que bon, elle n'est pas de très bonne qualité. Et l'autre, je l'ai mis à la place. Voilà. Comme ça, j'ai deux caméras qui sont pas mal. D'accord, donc nouveau PC ouais, qui tourne bien. Du coup, sur quel jeu tu le fais tourner vraiment pour exploiter toute sa puissance? Minecraft. T'as même pas... Pour l'instant, j'ai fait que Minecraft. Non, j'ai pas... Je voulais me lancer sur Valhalla. Yes. Mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit que les anciens sont bien aussi. Hein. Et je me disais, est-ce que ce serait pas bien, en fait, de faire les trois d'un coup? Ouais, Origine, Odyssée et Valhalla. Origine, Odyssée, ouais. Je les ai... Parce qu'en fait, en plus, il y a eu un pack sur Ubisoft. Odyssée plus Origine étaient les deux... Enfin, ouais, les deux pour 26 euros. Donc ça valait vraiment le coup. Hein. Yes. Donc je les ai pris et je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, là, pour le coup. Il y a tellement de gens qui streament sur Valhalla. Ça va. Je pense que c'est pas intéressant pour les viewers. Ils l'ont déjà vu. Enfin, y a que ça en ce moment, donc là ça commence à se calmer. Mais... Alors il y a Géwom qui me dit « J'ai renommé les Enderman en Gérard. » Non, c'est vrai. Alors... Regarde, peut-être c'est possible. Hein. Alors, je... Ah, je vais peut-être dire regarde parce qu'il veut peut-être que te faire avoir et que tu les... Oui, ça doit être ça, mais j'ai mon casque. Ah, ton casque. Donc, mais je ne vois pas leur nom. C'était le piège, mais ça ne marche pas. Dommage. Bien tenté. Ah voilà, c'était ça. Oui, oh, ça. Le fourbe. Le fourbe. Odyssée est clairement meilleur, Valhalla est décevant pour un jeu de 2020. Ah bon? Oh, moi j'ai eu des bons retours quand même. Je sais pas, faudrait que tu demandes à Roi Louis, parce qu'il y joue, je crois, hein, donc il fait une série sur sa chaîne, il me semble. Bah, ouais, mais le... Bien, ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire, le peu que j'en avais parlé avec lui, bah, il y a peut-être 2 semaines, donc il en était vraiment au début du jeu, mais il aimait bien. Après, il reconnaissait lui-même qu'il avait tellement poncé les autres que, voilà, pour l'instant, son avis était quand même... très partiel par rapport à ce qu'il connaissait des autres jeux, mais... Et Alps l'a terminé, et il en est très content, je pense. Quelques bugs, pas mal de bugs apparemment, mais... Mm-hmm. Mais bon, voilà, après comme tous les jeux. Donc du coup, tu es comblé du point de vue de ta config, donc en fait, oui, tu sais plus quoi demander à Noël. Quoi. Ah si, là, je sais le prochain achat, mais je pense que je veux pas attendre Noël, c'est pareil. Ah. Bah, parce que maintenant que j'ai la webcam... J'aimerais bien avoir un éclairage un peu mieux, parce que là actuellement j'utilise deux, tu sais, les panneaux LED que tu peux mettre sur les appareils photo. Ok, ouais. Mm-hmm. J'ai ça actuellement, j'en ai deux de chaque côté, et là j'ai vu le ring, le light ring de Elgato qui est joli. Mm-hmm. J'aime bien, mais bon, voilà, c'est... Faut que j'attende un petit peu, je pense, encore, parce que Elgato c'est toujours de la très bonne qualité, mais... C'est cher.
mais pas donné, ouais. Yes. Après, du coup, donc t'as vraiment une liste de Noël vraiment full. Bah, l'évident, en fait. Full gaming, en fait. Si tu la remplis, c'est gaming, quoi. Bah, en fait, je sais pas. Enfin, franchement, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est partir en voyage avec ma femme un peu pour se reposer un week-end, tu vois, un truc comme ça. Oui, alors là, voilà. Y a pas, tu vois, c'est vraiment ça. Là, vraiment, ce que j'ai envie, c'est ça. Ouais. C'est avoir du temps pour un peu voilà, partir, se reposer. J'ai besoin de vacances. Voilà, c'est ça. Mais bon. C'est bien. Ce serait bien, effectivement. Les vacances. Mais ouais, c'est pas évident avec les circonstances actuelles. Tout à fait. Pourquoi j'ai plus de dalles, moi? D'accord, d'accord. Bah moi j'ai mis aussi du coup, en fait, j'ai mis des petites choses dans ma liste parce que mes proches m'ont demandé en fait. Parce qu'après, avec ma chérie, on a demandé aux gens de participer pour qu'on s'achète un cookéo. Super, pour faire la cuisine. Ouais, je sais, j'étais là quand tu m'as fait en live. D'accord. Alors, moi comme je t'avais dit aussi que moi j'avais un Thermomix. Yes. Et c'est vrai que moi le cookéo, enfin c'est, je sais pas, ça, en fait c'est, si c'est vraiment un truc pour te dire bah tiens ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas le temps et je mangerai des trucs cool, pourquoi pas. Si c'est pour te dire un truc tiens comme ça je vais bien cuisiner etc, non là je suis pas d'accord. Ouais, moi, je non pense c'est que toi c'est plus ce que tu m'avais dit, c'était plus un gain de temps que t'avais. Ouais besoin, parce que ouais quand il faut cuisiner de manière un peu plus ouais, réussie, ça me dérange pas de sortir. D'y passer un peu de temps le week-end et puis de sortir tous les après, ustensiles. Quoi. Après, c'est vraiment. Ce truc-là, c'est vraiment pour des repas, tu sais, tout ce qui est mijoté, etc. Parce que tu vas pas faire une belle viande ou un truc comme ça. Yes, tout à fait. Et du coup, j'ai quand même rajouté dans ma liste des trucs un peu gaming. Donc, j'ai rajouté le fond vert d'El Gato. Ouais, le fond vert. Alors, j'ai mis. Je pense. Je l'aurais pas forcément, tu vois, parce qu'en plus, c'est pas donné, comme tu disais. Oui, oui. Mais bon, j'ai mis celui qui est accrochable au plafond, parce que juste derrière moi, j'ai un mur, donc je me dis éventuellement, je pourrais un jour peut-être faire un setup sans fond vert, en fait. Sol. Ouais. Moi, j'étais plus au sol. Bah, en fait, j'hésitais entre les deux, mais moi, j'ai très peu de profondeur derrière mon bureau. D'accord. Et du coup, quand j'ai regardé sur les images que j'ai vues du fond vert, il y a quand même des pattes, enfin des pieds assez larges, non? Au sol. Alors, oui, en fait, ça dépasse de 15 cm de chaque côté. Donc, ça veut dire que si tu veux vraiment le coller au mur, tu pourras pas avec voilà. Les pieds. Et donc, du coup, pour le coller vraiment au mur, je me suis dit que le mieux, c'était de le suspendre contre le mur depuis le plafond, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai jeté pour ça. Moi, je conseille El Gato quand c'est dans une pièce où tu veux le démonter, etc. et tout. Mais contre un mur, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre du El Gato? Moi, là, actuellement, j'ai une toile verte ouais. Lambda ouais, qui m'a coûté rien du tout et elle fait le taf. Le seul problème, c'est qu'en fait, elle est... Ouais. En fait, il y a un miroir derrière moi qui était dans la maison quand on l'a acheté, qui nous servait à rien. Et donc ce miroir qui est juste une vitre hein, en fait, il hein, n'y a pas de cadre, rien, c'est juste la vitre. Hein. Et bah du coup je l'ai calé contre le mur et j'ai coincé le drap dessus. D'accord. Donc c'est vraiment le setup à l'arrache. Ce qui fait le taf, c'est du provisoire tu sais, mais qui dure depuis 2 ans, 3 ouais, ans bon, même bientôt. C'est une bonne qualité, hein, tu vois rien derrière et tout. C'est... Ça va. T'as un bon éclairage. Alors en fait j'ai 2 lampes mais rien de orienté gaming. J'ai ma lampe, mon plafonnier, mais qui est d'accord. Juste, enfin qui est pas pile au-dessus de moi mais qui est vraiment pas loin de moi. Et j'ai mis une lampe vraiment puissante. Enfin quand tu regardes ça fait mal aux yeux quoi, ça éclaire limite un peu trop quoi pour la pièce. Mais bon c'est pour le fond vert. Et puis, à côté de moi, j'ai une lampe de bureau de chez Ikea, mais qui est dirigée vers le fond vert, en fait, qui n'est pas dirigée vers moi. Et du coup, ça fait le taf. Hein. C'est, Mais le seul truc, c'est que, voilà, si un jour j'ai envie de changer, si j'ai envie de... Parce que là, du coup, le fond vert, il reste en permanence derrière moi, et le mur derrière est blanc, dégueulasse, rien du tout, quoi. Je me dis, si un jour j'ai envie de faire un truc un peu plus sympa, mettre des posters, des choses comme ça... Ça pourrait être pas mal d'avoir un fond vert que je puisse remballer facilement. Donc,
C'est pour ça que j'ai mis ça dans ma liste. Mais bon, je pense pas l'avoir de toute façon, donc je... Enfin, voilà, c'était... C'est pas très très... Ouais. C'est pas un vœu très important, je dirais. Par contre, c'est la merde, la Elgato Light Key, je l'ai, c'est chiant de configurer qu'en Wi-Fi, des fois, ça se détecte pas. Mais en quoi tu veux configurer la lumière, en fait? Parce que moi, la lumière, je la laisse allumer et c'est tout. Non? Alors, attends. Ouais, moi aussi. Je pense, hein. Je sais pas si... Parce que moi, pour le coup, j'allume la lumière et puis voilà, je la modifie pas, quoi. Et après, j'ai ajouté aussi un Stream Deck, du coup. Ouais, ça oui, ça je le conseille fortement. Après, moi je sais que je l'ai eu longtemps et je l'ai très peu utilisé. Ouais. Mais là, depuis que j'ai le nouveau PC, je me suis un peu amusé avec. Mm-hmm. T'as vraiment des trucs super. Vraiment des trucs super où tu peux faire du multi-action. Tu vois, par exemple, moi, quand je change de caméra, c'est quand les gens utilisent les points de chaîne. Les points. Je clique sur un bouton et donc ça change ma scène. Ouais. Ça fait un timer de 2 minutes et ça remet l'autre. Tu vois? Ouais. C'est assez sympa. Après, t'as tout ce qui est son, etc. et tout. Mais là, je me suis vraiment amusé à faire du multitask et c'est vraiment. Ouais, bah pour le coup, moi j'ai assez peu de choses comme ça dans mon setup. Mais c'est vrai que ce qui me gonfle, c'est que mes raccourcis clavier, bah, j'ai utilisé clavier numérique parce que dans Minecraft, on s'en sert pas. Mais tu vois, dans d'autres jeux ou pour d'autres usages, ça me gêne en fait d'utiliser ça. Et j'ai pas 36 milliards de touches sur le clavier. Donc voilà, j'ai mis le Stream Deck pour éventuellement essayer de me passer un peu de ça. Bah, le Stream Deck, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a des logiciels et des add-ons dessus. Et moi, tu vois, là, j'en ai fait un où j'ai tout sur mon Stream Deck. En fait, quand j'appuie sur un des dossiers, j'ai tous les lives de l'Ecube, tous les gens qui live sur l'Ecube, je sais s'ils sont en live et je sais le nombre de viewers qu'ils ont. Et sur ton Stream Deck? Sur mon Stream Deck, ouais. Mais enfin, je vois pas le live, mais j'ai une petite icône. J'ai ton, par exemple, toi, j'ai ton logo. Ouais. Avec un petit point rouge pour dire que tu rec et 105 viewers. D'accord. Et ça s'affiche sur ton Stream Deck directement. Exactement. Attends, je vais te montrer. Je vais te faire un screen. Mais ça, c'est que quand t'es pas toi-même en stream. Non? Non, je peux. Bah là, je suis en. Non, même si je suis pas en stream, ça marche. Enfin, je le vois. En fait, le Stream Deck, tu peux l'utiliser pour tout. T'es pas obligé de l'utiliser en stream. Oui, tout à fait, ouais. Mais tu vois, voilà. Mais parce qu'en stream, là, ça te prend des touches. Mais t'as suffisamment de touches pour avoir toutes tes configs, plus ça, là, le fait de. En fait, tu mets des dossiers. C'est-à-dire que moi, j'ai un dossier, par exemple, là, j'ai fait un dossier Téléthon pour tout ce qui sera sur le Téléthon. Ouais. J'ai un dossier message Twitch, où quand je clique dessus. Quand je clique sur le dossier, et bah, j'ai tous mes messages, tu sais, où je peux mettre point d'exclamation Discord, point d'exclamation machin, etc. Mm-hmm. Et après. Ah oui, d'accord, ok. Tu parles en fait de la version logicielle. Non. Non, enfin, là, je te montre la version logicielle, mais moi, j'ai le Stream Deck. Enfin, ce que tu vois sur le logiciel, c'est ce que j'ai exactement sur le. D'accord, ok. Bon, comme j'ai jamais utilisé de Stream Deck et j'en ai jamais vu, après, voilà. Ça sera plus clair si j'en ai. Mais bon, à mon avis, c'est pareil. C'est pas donné. Oui. Et voilà, ça fait pas partie non plus de mes priorités. Tu as demandé quelle version ? J'ai pris la version intermédiaire. Pas celle avec, où il n'y a que 6 ou 9 touches, mais l'autre. Ouais, le 15 boutons. Ouais, voilà, ça doit être ça. Il est très bien. Parce que je me suis dit, ça fait pas beaucoup 9 boutons. Par contre, 36, je crois que c'était la version la plus grosse. Ça, c'est un peu pété, je pense, pour moi. Je sais pas... Ouais. Bah, puis surtout, moi, c'est bien plus cher. J'ai cité fortement. Et Daft, qui a le gros, m'a dit prends-le pas. Enfin, l'autre suffit largement. Enfin, le 15 boutons suffit largement. Ouais, bah, donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Je crois que Daft a le gros, a le XL. Après, le truc qui me manque dans mon setup, mais que pour l'instant je vais pas changer, je vais pas investir, c'est une meilleure gestion du son, de l'audio, une carte son peut-être. Ouais. Dédié vraiment. Mais ça, on verra ça quand je changerai de PC, en fait, je pense. Mm. Hop. Non, toi, je peux te laisser. Du coup, on va redescendre. J'ai besoin de dalles et j'ai besoin de béton. J'ai toujours cru que quand on tirait une flèche sur un Enderman, on avait le focus après. Non. C'est ça qui est bien. Ça facilite la vie. Ouais. Faut comprendre que les écrans les plus... Attends.
que ce sont des écrans, les touches du Stream Deck. Ouais. Du coup, chaque touche peut cacher des dizaines de touches. C'est comme les shulkers. Donc, en fait, tu appuies sur... par exemple, tu veux voir qui est en... En fait, tu as tes touches de stream, je vais dire bêtise. Tu vois le screen que je t'ai mis. Là, tu vois, par exemple, le premier bouton en haut à gauche, c'est pour revenir au dossier suivant. Ouais, mais en fait, c'est les touches en elles-mêmes qui changent. Ça, c'est les touches, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, tu as ta touche pour voir tous ceux qui sont en stream, mais si tu n'appuies pas dessus, sur les autres touches, tu as d'autres fonctions, en fait. C'est ça? En fait, là, je suis dans un dossier, tu vois. Parce que là, j'ai fait un dossier HoliCube, et quand je clique sur le dossier HoliCube, j'ai ce que tu as vu. Ouais. Mais qui s'affiche sur les touches. Et du coup, quand tu reviens en arrière, les mêmes touches où il y avait ma tête, par exemple, reprennent une autre fonction. Il y a autre chose qui s'affiche. D'accord, ok, ouais, je comprends. En fait, c'est des mini écrans LED. Où tu peux mettre ce que tu veux. Ouais, non, très sympa. Non, ouais, du coup. Et les add-ons sont vraiment super. Tu peux aller très loin. Moi, je sais que voilà, tu peux lancer la pub, tu peux faire un clip directement. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Tu peux mettre en emote only, tu peux juste avec un seul bouton. Et après, tu as tellement de possibilités si tu as d'autres choses. Pour réduire les coûts de Stream Deck, je peux te conseiller d'aller voir Touch Portal qui te permet de transformer ton smartphone, tablette, Android en Stream Deck personnel. Tout pareil, la version pro est pas chère. Eh bah écoute, ça je pourrais. Et bienvenue à toi, Sensu, au fait, je t'avais pas. Ouais, en fait, on avait déjà parlé, j'avais essayé de le faire sur mon Chromebook, mais ça marche pas. Parce que. Pourquoi ça marchait pas? Parce qu'en fait, il fallait être relié sur le même réseau. Ah ouais, faudrait que je vois. En fait, le truc qui marchait pas, c'est que mon PC il était relié en fil, en Ethernet. Et mon Chromebook était relié en Wi-Fi. Et du coup, les deux voulaient pas se voir. Pour le logiciel que j'avais installé, on n'était pas relié au même réseau. Enfin, ça marchait pas bien. Et puis, de toute façon, c'était une appli Android que j'utilisais sur le Chromebook, qui gère les applis Android, mais qui les gère quand même pas aussi bien qu'un téléphone. Mais là, comme je change de téléphone, en fait, je me retrouve avec un téléphone qui est plus tout jeune, mais qui est fonctionnel. Mais qui me servira plus. Donc je pourrais complètement l'utiliser que pour le stream, en fait. Je pourrais vraiment l'optimiser pour ça. Donc faudrait que je teste. Mais bon, je vais attendre Noël, qui sait. Si j'ai le Stream Deck, ça sert à rien de m'embêter à configurer le téléphone. Hein. Bon, béton. Bon, sinon après, j'ai demandé des jeux vidéo. Ça, je suis plus susceptible de les avoir parce que ça coûte quand même moins cher. Et notamment, le truc qui me ferait... Bah, j'ai demandé Final Fantasy VII Remake. Ah oui. Donc ça, je l'ai mis en haut de ma liste. Donc ça, c'est beaucoup plus probable que j'ai ce genre de cadeau. Surtout si... parce que bon, voilà, si on reçoit de la participation pour notre fameux Cookieo, les gens vont pas dépenser 3 milliards... pour nos cadeaux quand même, faut pas... J'aimerais bien, mais bon... Ils dépensent pas tant que ça. Et puis après, Cyberpunk quand même. Ah oui, c'est vrai. Cyberpunk. Bon, il est où mon béton là? Ah, il est là, mon béton. Et donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Mais ouais, Cyberpunk, par contre, après... Moi, je l'aurais éventuellement... Ah, j'ai mis un bloc ici, on va l'enlever. Hop. Je l'aurais éventuellement sur PlayStation, en fait. 4, sur PS4, pas sur... sur PS5. Ni sur PC. Oh. Moi, la PS5, de toute façon, j'attends. Après, c'est... Final Fantasy XVI pour l'acheter. il y aura du stock. Oui, il y aura du stock, il y aura des réducs... Après, faut peut-être même attendre la version slim, tu vois. Mais bon, il y a plusieurs années. Bon. Je sais que quand le jeu va sortir, je l'aurai le lendemain. Donc, je me connaissant, j'attendrai pas. Je sais pas attendre. Ah, ça c'est bien, ça. Cyberpunk qui propose une option pour désactiver les musiques non libres de droit quand tu streams sur Twitch ou YouTube. Ça, c'est nice. De plus en plus, il y en a qui font ça. Bah, moi je comprends pas qu'ils le fassent pas. Ouais, si. Je comprends que certains pouvaient être peut-être réticents à l'idée de le faire avant, mais tous les jeux qui sont dans l'optique d'avoir la plus grande diffusion possible sur Twitch pour faire connaître leur jeu et en vendre plein, bah, ils ont tout intérêt à faire ça, quoi. Mais oui.
Donc, il y a un wandering trader qui vient de popper. Yes. Oh oui. Et qu'est-ce que tu, donc, que tu as besoin d'acheter chez lui ou de tuer? Les têtes. Voilà, les têtes. Mais il vend des têtes, c'est ça? Tu veux pas non. sa tête à lui? Là, il vendait rien, il vendait un casque. Moi, je veux sa tête. Enfin, je veux la tête des lamas parce que je l'ai donné à Jimmy pour qu'il ait son truc. Ah oui, bon, t'as déjà l'achievement, mais tu as plus la tête, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai essayé de la récupérer, sinon, enfin, je lui augmente la sienne. Non, toujours rien. Bon. C'est surtout celle des lamas, en fait, qui manque. D'accord. Tellement rare qu'il pop. Là, ça, vu que toi, t'es dans l'end et que Golden est dans, et FK. Et dans le Nether. Donc, voilà. Nice. Non, ah ouais, il y a encore quelques blocs spawnables, c'est pour ça qu'il y a encore quelques Endermen. Mais il devrait plus trop nous embêter quand j'aurai fini les plateformes. Les plateformes sont totalement non spawnables. Vas-tu participer à la décoration du hub du Nether en mode Noël? Oui, c'est possible. Si, ouais, si je suis présent à ce moment-là, pourquoi pas. Ouais, je me disais la même chose que toi en fait. Je suis passé hier, bah, comme ça, parce que j'avais besoin de traverser le Nether, et j'ai vu qu'ils avaient commencé à remplir, enfin à mettre de la glace au-dessus de la lave. Ça rend bien? Oui, j'ai été surpris en fait. Et le pire, c'est que j'étais dans ma... Parce qu'on m'a dit, va voir ton manoir, t'as été prank. J'ai été voir, je suis rentré dans mon manoir, alors qu'ils l'ont entouré hein, de glace. Hein. J'avais même pas vu la glace. La fatigue. Et par contre, bien, en fait, ce qui va manquer pour participer, bah, c'est le matos en fait. Ouais. Béton d'hiver. Bon, il faut de la glace après. C'est vrai qu'on n'a pas d'usine à glace sur ça. Bah, je sais pas qui on utilise en grande quantité, mais voilà, moi j'ai pas de neige, j'ai pas de glace, donc du ça coup se voilà. Fait très bien en plus. Hein. Oui, ça se fait bien, mais faut prendre le temps de la farmer aussi, tu vois. J'ai pas de stock d'avance, c'est ça que je voulais dire. Donc après, je participerai volontiers, surtout si le matériel est fourni, parce que j'aurais du mal à le fournir moi-même en fait. Mais ouais, ça peut être sympa. Et en tout cas, l'effet de remplacer la lave par la glace... demande comment la lave fait pour ne pas fondre. Pour la glace, mais bon. Oui. Ça passe. Après, la logique de Minecraft. Oui. Ah non! Ah là là. Et c'est la chute. Faut que je reprenne des dalles en pierre noire. Donc pour ce pattern de spatioport, en fait, j'ai repris certaines idées qu'on avait déjà mis sur le spatioport en bas, mais à plus petite échelle, parce que forcément ici, c'est que des petits vaisseaux qui pourront atterrir. Il faudrait que j'en fasse, ce sera l'occasion d'en faire. Alors, surtout que tu l'as dit avec un ton, en exagérant un peu, c'est « Tu t'y connais en reproduction de villageois ?» Ah oui, d'accord. Non, c'était pas forcément ça, mais... Non, mais en fait, je sais pas, là, je suis un breeder, en fait, et j'essaie de... Alors, pour répondre à ta question, non, je m'y connais pas du tout, parce que j'en ai fait juste un seul dans toute ma vie. Et je l'ai cassé parce qu'il était là où j'ai construit ma base, donc je l'ai plus sous les yeux en plus. Et il fonctionnait bien, hein. J'avais juste fait une ferme, et puis voilà. Il venait se donner de la bouffe, et ça faisait des petits. Bah, bon, en fait, moi j'ai des cœurs, j'ai plein de cœurs, mais j'ai que des orages en ce moment, donc je ne sais pas pourquoi en fait. Je sais pas, ils veulent pas faire de bébés. Est-ce que les autres sont... Il n'y a pas une histoire d'éloignement? Bah non, normalement là il n'y a personne, hein, tout va bien. J'ai fait des trades avec le farmer au cas où, parce qu'apparemment ils sont plus à même de...
T'es où? T'es dans le Nether ou t'es dans l'Overworld? Non, je suis dans l'Overworld. Ils ont bien dormi, tout ça, y'a pas de soucis? Bah, ils ont pas accès à un lit, mais ça, ils ont pas besoin de dormir normalement. Oui, t'as raison, moi non plus. Ah si, ils avaient accès à un lit, moi. Les lits sont visibles en fait. D'accord. Ils sont visibles. Moi, ils pouvaient dormir quand j'avais fait mon breeder. Oui, moi aussi, d'habitude, les breeders classiques, c'est ça, mais là, en fait, comme je veux un breeder ou les transformer en zombies, en fait, les petits vont dans un endroit directement pour aller voir un petit zombie par la suite. J'ai pas beaucoup de béton jaune en poudre, dis donc. On aurait pas assez. Oh, quoique. Il m'en faut vraiment pas beaucoup. De toute façon, genre, crafterai un petit stack. Hop. Et bah, nice. Oui, c'est de la poudre, c'est vrai. Tu vas pas avoir besoin de mes services, c'est pour ça. Non, non, non. J'ai bien récupéré d'ailleurs les shulkers que tu m'avais durci. Impeccable. Comme ça, j'ai de quoi voir venir. Ok, parfait. Eh ben, impeccable. Du coup, maintenant, on va mettre les petites barrières. Ça, on fera après, ça ira avec les... Avec le couloir, on fera ça quand on fera le couloir. Ah, il en manque. Évidemment, il va me manquer 3 barrières. Hey! Il me manquait des dalles ici. Hop! Donc il me manque quelques barrières, il me manque les carpettes. Carpettes rouges, carpettes jaunes, carpettes oranges. Et il me manque des brick wool. Alors, carpettes. Où est-ce que j'ai foutu ça? À mon avis, j'ai foutu ça nulle part. Hop. On va aller en chercher direct à la source. Raph, je suis pas sûr que ce soir on finisse le gratte-ciel sur les difficiles aventures. À mon avis, ce soir on finit les étages intermédiaires et on commence le toit. Mais on n'aura pas le temps de finir le toit. Il est trop gros le toit. Après, ma mémoire est faussée par le temps que j'y ai passé en créatif, mais j'y ai passé un sacré temps sur ce toit, alors qu'à dupliquer les étages avec World Edit, ça s'est fait vite. Donc c'est peut-être ça aussi qui altère mon appréciation de la durée restante, mais... Hop. Donc, j'ai les carpettes, et je voulais récupérer quoi? De la brique. Ça, des murets en brique. Vous n'avez pas dispo, mais... Vous auriez pu faire un effort, là, hein, mais... les Endermen. Je comprends pas, il y a plein de petites étoiles, mais non, ils font pas de cœur ni rien du tout. Ils font joli, écoute, déjà. Ah ouais, mais... Le toi. Et pourtant, je les nourris, hein. Ah bah voilà ce que j'ai pas pris. J'ai pas pris de carpette grise. Hop. Ah, purée, c'est ça que j'ai pas pris. Pas pris les barrières, j'ai pris que les murets. Non mais pousse-toi. J'aime bien le bruit que ça fait. Ah bah super cool Raph. Alors on va poser les carpettes. On va les mettre là. On va rechercher donc des carpettes grises. Hop. Ah. On est pas. Enfin j'en ai une. Bon il m'en faut une, mais il m'en faudra une pour l'autre côté. Et on va prendre des barrières en briques. Voilà. Hop. Salut ma tanga. Je
Voilà, donc c'est partout pareil. Oula, qu'est-ce que tu as cassé? Non, rien, c'est mon ordinateur du boulot. Ah bah oui, t'as le droit de casser ton ordinateur de boulot, effectivement. Oui, ça va. Du boulot, là, ça dérange. Hop. Salut, stick. Hop. Bon, je pensais qu'on aurait peut-être le temps cet après-midi de finir les deux plateformes, mais en vrai, on n'en finira qu'une du coup. L'autre, on va la commencer, bien sûr, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Je stream jusqu'à 16h à peu près. Mais vu le temps qu'on vient de passer sur celle-ci, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire la deuxième. En tout cas, celle-ci est finie, donc normalement, c'est non spawnable. Hein. Je vérifie. Mais ça a l'air d'être good. Voilà, là ici c'est normal puisque c'est pas fini. Mais les parties finies sont non spawnables. Bon, j'avais dit que je le ferais pas ça. Ah, j'avais dit que je le ferais pas ça, mais. Voilà, je le fais quand même. Pour limiter un peu le spawn. Hop, poussez-vous. Merci. Bon, il y aura quand même toujours un peu de spawn, mais... hop. Que ça, c'est spawnable, par exemple. Voilà, on va laisser comme ça. Et donc du coup, pouf, voilà. La petite piste qui apparaît sur la map. Qui reprend en partie. Ah bah c'est ça que j'avais pas fait en fait, comparé à l'autre piste. L'autre piste, on a... Bon, je ferai ça plus tard. On a de la terre à cotation pour faire comme si la piste était un petit peu usée. Alors que là, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est pour ça que ça fait plus lumineux. C'est pas très grave, c'est un détail. Éventuellement, on pourra corriger plus tard. Bon, on va commencer l'autre du coup. Elle avance, ma tanga, cette base, elle avance. Elle avance. Et coucou Z. Là, pour l'instant, t'es que sur une île, hein. On est d'accord. Tu vas te tendre après ou pas? Ah oui, oui, oui. Mais quand, je sais pas. Mais ouais, l'idée c'est qu'il y a des îles sur la droite que je pense transformer en une sorte de carrière spatiale, tu vois, avec une exploitation d'astéroïdes. Okay. Et au départ, je voulais coloniser qu'une île pour la base en elle-même. Mais de plus en plus, je pense que je vais coloniser l'île qui est juste à côté, en fait. D'accord. Donc ça va dépendre de mes prochains développements, mais... En même temps, tout est collé. Hein. Oui, tout est collé, ouais. Après, au départ, mon idée, c'était de creuser pour découper, en fait. Que ce soit plus collé. Mais, finalement, je vais peut-être faire autrement. Alors, ça, on va poser. On a besoin de dalles. Comme ça. Et surtout, on a besoin d'andésite. Ça pour l'instant, on va le poser ici parce que on n'a pas tout de suite besoin. Hop, et du coup, on va attaquer. Ah, et attendez, je vais avoir besoin de plus de roches noires, de pierres noires, et je vais avoir besoin de béton rouge. Donc, je vais poser le vert. Reprendre un peu de lampe. Le quartz, normalement j'en ai pas besoin. Alors j'ai fait l'inverse. Hop, donc on va prendre du béton rouge.
Hop, zou. Salut Mycroft. Mycroft, pardon. Ah, attendez. Ah là là, le temps perdu dans les allers-retours. J'ai oublié, voilà, il faut que j'agrandisse mon échafaudage sinon. Ah, et j'ai dû le recouvrir. Qui est une boulette. Voilà. Je veux pouvoir continuer à l'utiliser. En même temps, il faudrait que je le décale à force. Bon, c'est pas grave. Alors. Ah oui, et il faudra que je mette les endrods par-dessous. Mais ça, on verra plus tard. Tiens, qu'est-ce qu'il manque comme bloc ici? Oh, du béton rouge. Et ben voilà. Alors, j'avais pas pensé à ça, tiens. On va mettre un... un échafaudage provisoire. Alors là, par contre, faut qu'on fasse gaffe, parce qu'on va être au-dessus du vide. Hein ! Donc, c'est le retour de la commande que vous appréciez particulièrement. Tes fusées Oran. En exclamation fusée, je crois. Pour me rappeler d'avoir toujours des fusées dans ma barre de raccourci. Au cas où, je ferai une chute malencontreuse dans le néant. Nous sommes au-dessus du vide. Voilà, c'est bien ça, merci Mickaël. Et coucou mes flowers. Les Kraken. Toujours la concentration dans ce genre de moment. Ouais, et surtout ne pas lâcher la touche Shift. Ouais. Là encore, ça va parce que pour l'instant, là, comme je commence à monter la plateforme, il n'y a pas d'Enderman. Mais quand il commence à y en avoir. Il te pousse. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir très peur. Genre j'étais en train de lire le chat et tout, j'étais pas. Donc je bougeais pas. Donc j'avais pas la touche Shift enfoncée. Et là t'as un Enderman qui te pousse un peu quoi. Furie, bah d'ailleurs je viens de glisser. Et tout seul. Ah oui. Ça c'est souvent quand tu casses des blocs. C'est ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais non, pas de chute mortelle. Et pas de bug de la touche Shift. Non, non, non. No way. Ah ! Un bloc perdu pour l'éternité. Et j'ai pas pris de dalle en andésite poli. C'est une erreur. Ah oui, merci, j'ai oublié de changer l'angle de la Oranacam, tout à fait. Merci. Des choses faites. Du coup, tu sors plus d'épisode. Tu sors pas d'épisode hein, sur Olicube, Bazon. Non, 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 pas pour cette saison. Cette saison, c'est full live. Saison prochaine, on va changer de format. Enfin, il y aura autant de live, mais voilà. Enfin, c'est bien, t'as déjà des plans pour la prochaine saison.
J'y réfléchis après. Non, c'est juste surtout que le 5. Me dis pas que tu connais déjà ton projet de la prochaine saison. Non, mais j'y réfléchis également. Bon, je te dis ça, mais j'y réfléchis aussi. Mais, mais là, j'ai tellement de projets déjà. Que... Mais voilà, idem. Mais il y a peut-être un projet où j'aurais peut-être besoin de toi en train de ça. Oh. Ouais. Qui va être un peu sur le, la thématique un peu spatiale, on va dire. Donc, voilà. Là, j'essaie de faire un observatoire, galère. Alors en fait, les viewers m'avaient proposé, m'avaient dit que ce serait bien que je fasse un petit observatoire, que je fasse la guilde des astronomes sur, pour le projet doré. Sauf qu'en fait, Zanzag, il a fait la guilde des inventeurs, et donc ce qui est très bien. Mais en fait, sur la guilde des inventeurs, il a mis un télescope déjà. Je sais. Donc du coup voilà. Ah ouais, il est excellent, il est magnifique. Donc c'est pour ça que du coup je vais pas le faire, parce que son bâtiment étant magnifique et remplissant à merveille le rôle de, d'observatoire, que je vais pas m'amuser à en faire un qui sera forcément moins bien, ou au mieux qui fera doublon quoi. Donc tant pis, c'est pas grave. Non, faut que je parte, moi faut que j'aille faire des choses sur le projet Cyberpunk. Mais j'ai tellement d'idées, tellement de, d'envie sur mes propres projets que bon. Manque de temps pour tout faire. Mais c'était sympa les Olympics. Je pense à ça parce que c'est le genre de truc où bah voilà, on a passé tous les deux un petit peu de temps dessus. Oui. Pris forcément sur d'autres projets, mais en fait c'était bien mieux que ce que j'aurais cru. Tu veux dire quoi, l'organisation enfin, Oui, déjà, en termes d'organisation, en termes de déroulement, c'était... Ça a été. Après, je pense que... Ouais, enfin, ce que je disais, en fait, c'est que, bon, malheureusement, ça n'a pas été trop legit, hein, mais... Oui, il y a eu éventuellement, de temps en temps, quelques petites irrégularités. C'est ça. On va dire que si j'étais dans la team dorée, je ne l'aurais peut-être pas vécu de la même façon, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime... Bah, je ne suis pas mauvais joueur du tout. Mais c'est vrai que quand je veux gagner et que c'est pas fait dans les règles, c'est un peu plus embêtant. Voilà. C'est ça. Après, si c'est gagné parce que ils ont été meilleurs, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Donc en soi, moi j'ai vraiment adoré, hein, c'était vraiment cool et tout. Hein. Après, c'est dommage que voilà, on aurait tout fait dans les règles, ça aurait été plus cool, je pense. Yes. Mais il faut pas rêver. Après, je trouve que du coup, Nem c'était vraiment bien dans son rôle, en fait. C'était. Oui. C'était très très bien de ce point de vue-là. Et puis les épreuves sont vraiment sympas. Pour le coup, moi, j'avais pas vu, si ce n'est quelques bouts de vidéo quand on a préparé un petit peu ça pour voir à quoi ça allait ressembler. Mais j'avais pas vu sur Celestia en direct, quoi. Donc les épreuves sont vraiment sympas. Le hockey cochon, c'est très chouette. Hein. Ouais, c'était cool. Bon. J'ai été nul, mais c'est très chouette. On s'est fait ruiner. Je parlerai pas du jump. Mais... Je suis content, j'ai réussi à le finir quand même. Mais... Moi aussi, mais hors temps. Et... Mais le jump... Enfin voilà, c'est connu quoi comme épreuve, jump. Olipig... pas Olipig. Ok, cochon là, je connaissais pas en fait. Et c'est vraiment chouette. Ouais, non, c'était sympa. Ah. Bon, on est pas mal. Il me manque donc que les dalles en andésite. Bah, je vais aller chercher tout de suite parce qu'après... puis je vais refaire le plan. Hop. Du coup, ça, en fait, ça, je vais peut-être le casser tout de suite. On viendra en élytra. Oh, je vais me faire chier pour foutre les Enrod en dessous. Oups. Oups. Yes, elle est grosse, la guilde de Zanzag, ouais. Ouais, c'est un gros bâtiment. Il a mis longtemps à la faire en créatif. Oui. Il y a du travail dessus. Il y a beaucoup de travail.
Mais ouais, ce que j'en ai vu, ça va être sympa. J'ai beaucoup aimé, je sais pas si tu l'as vu, son épisode sur la prank qu'il a fait chez Magic. Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai vu la prank. Ah, t'as vu la prank, ok. Bah moi c'est l'inverse, voilà, je suis pas repassé, donc j'ai pas vu en vrai, mais très sympa. C'est chouette. Hein. C'est chouette. Donc pour ceux qui ignorent, allez voir la chaîne de Zanzag. Il a publié son épisode il y a quelques jours, je sais plus quand. Et il a fait une prank à Magic dans le thème de la base de Magic, c'est-à-dire dans le thème World of Warcraft. Alors la base de Magic, c'est pas que World of Warcraft, mais il y a une grosse partie comme World of Warcraft. Et du coup, très 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 réussi, je trouve. J'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup la base de Magic, vraiment. Je la trouve très très chouette. Et sa forge, elle est sublime. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah j'ai pas pris les dalles dans la purée. On descendait pour aller chercher des dalles dans des îles, j'en prends pas. Je me fatigue. Je reviens vite fait. Ok. Micro réunion. Et salut Chalor. Bienvenue. Chalor. En fond du bruit, ces Endermen. Ah bah c'est clair que oui, c'est the place to be, Mayflower. L'endroit où il faut être. Tu prends combien de temps pour aller de la zone commerciale à ta base? Ah, ça peut être très rapide parce que si j'ai mis mon spawn dans la zone commerciale, je vais dans le portail et puis hop, j'y suis. Sinon, c'est pas très très long. Je peux pas à 5 minutes peut-être. Hop. J'ai eu peur. C'est là où on peut économiser quelques blocs. Hop. Et salut Bastien. Tu viens enfin de finir ton JDC. Depuis le mois de mai qu'elle est reportée. C'est quoi JDC? Journée de... Je sais pas ce que c'est JDC. Ça se trouve je sais. Et quand tu vas le dire, je vais me dire mais nickel noob. Oui, Microft, j'ai mis à jour le cube 40, j'ai commencé par ça, le stream. En général, le mercredi, je fais toujours ça, j'en profite de me connecter au serveur
Mettre à jour le cube 40, forte baisse aujourd'hui. C'est la suite du crack, hein. C'est un crack boursier en plusieurs étapes. Défense et citoyenneté. Ok, avant de mon temps, à mon époque, on appelait ça la journée d'appel à la défense. Donc la JAPD. JAPD. Journée d'appel. Nous la JAD. Moi je sais plus. Mais c'était ça, c'était journée d'appel à la défense. JAD, non, JAPD. Hop. Mais ce sont des souvenirs lointains, les amis. Un passage de code gratuit au permis de conduire avec la JADC ou c'est pas encore le cas. Passage de code gratuit. Ah ouais? C'est nice ça. Une journée où tu dors et tu manges bien le midi. Ouais, moi j'avais fait ça sur une base aérienne à Châteaudun. En Eure-et-Loir. Et c'était... Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on avait pu voir des avions. C'était sympa. Les avions de chasse. De mémoire, à Châteaudun, c'est de la... C'est un endroit où ils font de la maintenance, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça a peut-être pu changer en plus, hein, depuis. Mais ils faisaient de la maintenance, je crois. Et du coup, c'était assez sympa pour ça, en fait. Donc voilà. Je viens de voir que tu la passes à 16 ans, ça fait bientôt 14 ans. Tu prends un coup de vieux, c'est ça, Scarpe? Je sais plus si moi je l'ai passé à 16 ans. Ouais, si, j'ai dû la passer à 16 ans. Donc moi, ça fait plus que ça. Hop, allez, plus qu'un quart. Et on a fini cette couche là. Et bienvenue, cher Koué. Un quart, je crois que c'était une piste d'atterrissage. Ça vole les quarts, j'avais pas le bus magique. Je savais pour le bus magique, pas pour les quarts. Ouais. Ouais.
Voilà. Je crois que tu l'as bien cherché. Voilà, ça je pourrais le faire avec un stream deck. Ça, ça pourrait être sympa. Rigolote cette petite plateforme volante sur le retour de la Aura Nakama. Bon, bah voilà, cette couche est faite. Toc, couche suivante. Donc. Hop. Hop. Oh là là. Ça ne nous avait pas manqué, ça, Raph. Hello. Et salut, BelzeX. Un petit coucou du bureau, et bah bon courage. Bon courage à toi. Heureux. Heureux. Après le stream, moi j'irai chercher mon fils et puis on ira faire des courses et j'irai faire des courses pour la première fois depuis le léger déconfinement. Je vais pouvoir aller acheter des produits non essentiels. Oh là là, la folie. Ça va y aller sur les gâteaux et les bonbons. Hein. Ah bah non, ça c'était essentiel. D'ailleurs, ça m'a fait bien rire parce que la dernière fois que je suis allé faire des courses, donc c'était pendant la période du confinement. Donc t'avais de la rubalise et des panneaux interdits sur les rayons des cadeaux de Noël, tout ça, des jouets pour enfants. Et juste à côté, t'avais les chocolats de Noël, les calendriers de l'Avent et tout. Et ça par contre c'était essentiel. Bah oui, bah, c'est de la nourriture. Donc voilà, les chocolats de Noël c'est essentiel. On ne peut pas faire sans, c'est... Voilà. j'ai bien aimé la contradiction. Mais bon. Donc, ouais. Après, des produits non essentiels, je pense que j'en ai pas acheté beaucoup, effectivement. Mais bah, en drive, en fait, tu pouvais tout acheter. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais sur internet. Alors, j'ai pas fait drive, mais. Mais je crois que j'en ai acheté. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand je suis allé dans le magasin. Tous les rayons jeux vidéo, tout ça. Ils étaient mis à jour. C'était achalandé. Qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, en fait, la veille de la sortie de la PS5, il y avait déjà les manettes, il y avait déjà plein de trucs dans les rayons. Mais le rayon était fermé, quoi. Tu pouvais pas y aller. Imagine tout le monde en rupture de stock et là tu vois les PS5. Ah bah non, c'était fermé, t'as pas droit. Yes, c'est ça. Bon, après, maintenant, à mon avis, comme ça a réouvert, il n'y a plus, à mon avis. Enfin, peut-être les manettes, mais en tout cas, les consoles, c'est sûr que c'est en rupture partout. Mais voilà, pendant un moment, c'était invendable, donc voilà. Une belle ferme à Enderman. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on refait le plein. Je vais avoir moins besoin dans des îles polies, donc on va... ah bah si, j'en aurai besoin à la prochaine couche. Si, bon, on va garder, du coup. J'aurai besoin de pas mal de basalte aussi. Donc on peut en prendre. Mais là, j'ai besoin de dalle en roche noire. En pierre noire, plutôt. Béton rouge, on peut poser, j'en aurai plus besoin. Et j'ai besoin de beaucoup de stone. Allez, zou. On y retourne. C'est du Crafty Craft. Moi, je veux la PS2. J'en ai une, si tu veux. J'en ai une aussi. Mais je la garde, en fait. En vrai. Donc non. Même si tu veux, je... Non. En vrai. Tiens, je suis allé... samedi, je suis allé dans un Easy Cash, un truc comme ça. Ah, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ah, j'ai pas pris de bloc, mais t'es sérieux. Bon, on va mettre la stone. Et il y avait Zelda Wind Waker, je crois, sur GameCube. Ouais. Qui valait une soixantaine. 70 euros. Entre 60 et 70 euros. Et ma chérie qui avait fait, tu te rends compte, on l'a même pas payé ce prix-là neuf. Et on l'a encore, donc. Donc il faut attendre, ça va prendre de la valeur. Oui.
Mais oui, du coup, pour rebondir sur la PS5, ce qui est cool, c'est qu'elle est compatible avec les jeux de PS4. Et ça, c'est bien, ça. Oui. Parce qu'il y a tellement de bons jeux sur PS4 que j'ai, et auxquels je n'ai pas eu le temps de jouer, ou très peu, que je me dis, tu vois, hein, si dans 2 ans, 3 ans, je craque et que je prends la PS5, ce qui n'est pas exclu, moi aussi, toi, c'est Final Fantasy, mais il y a des jeux comme le futur Horizon Zero Dawn qui me font de l'œil aussi, à long terme. Il est très très bien. Je me dis, au moins tu l'achètes, mais tu pourras continuer à jouer à tes jeux, quoi. Sans avoir besoin de changer de console. Et du coup, ça veut dire que par la même occasion, tu peux te permettre de revendre ta PS4 pour acheter la PS5 un peu moins cher, quoi. En soi, oui. Ça, c'est un plus par rapport à la génération précédente, je trouve. Et puis du coup, en plus, si j'ai bien compris, il y a quand même certains jeux, si tu les achètes sur PS4, quand tu les remettras sur PS5, tu auras la version PS5 qui se mettra à jour avec des patchs, non? Ah ça, je sais pas. J'ai pas l'info. Ouais, je sais pas. Parce que par exemple, je pense à Cyberpunk, typiquement, comme il sort sur PS5 et sur PS4, je sais pas si en achetant la version PS4, quand il jouera sur PS5... dans 2-3 ans, si tu auras toujours la même qualité que sur PS4, ou si avec les patchs, tu pourras quand même upgrader un peu ton jeu, en fait. Pas sûr que ce soit le même jeu, hein, quand même. Ouais, tu auras juste un patch de compatibilité, mais pas forcément... Ouais, parce que tu vois, sur un PC, quand tu achètes un jeu sur PC, que tu joues avec les graphismes en basse qualité, ou les graphismes en haute qualité, tu l'as acheté, quoi, c'est le... Mais c'est pas pareil. Ah bah c'est sur PC, on est d'accord. Oui, non, je suis d'accord, mais là c'est deux formats différents. C'est comme si tu disais, bah pareil, PS, ouais, non, mais non, je pense que t'étais plus. Enfin, je pense pas que ça soit. Bah je sais pas, parce que c'est vraiment une question de patch en fait. Comme les jeux maintenant, ils sont. Certes, t'as les fichiers sur le disque que t'achètes, mais pas forcément. Quand tu télécharges ton jeu depuis le Play Store, enfin pas le Play Store, mais le PS Store, PS Now, PS. Enfin bref. T'es plus obligé d'avoir une galette, quoi. La PS1, non, j'en ai plus de PS1. J'en ai jamais eu d'ailleurs. Ma chérie, oui. Mais moi, j'en ai pas. Moi j'ai encore la Wii, effectivement. Ah oui, bah moi aussi, elle tourne encore. Ah ouais? Très récemment, ma fille, ouais. Mes enfants. Ça picote un peu les yeux, je trouve, sur les écrans d'aujourd'hui, bah, quand même. Wii Sport, voilà. C'est tout. Par contre, il n'y a que ça. Par contre, là, j'ai acheté, pour ma femme, j'avais acheté le Ring. Oui, Ring Fit. Oh, c'était chaud, hein. Ouais, bah moi je l'ai aussi, on me l'a offert. Oh, c'est... Mais j'y ai très peu joué. C'est sportif, hein. Ouais, le peu que j'ai fait, ça m'a bien fait transpirer, ouais. Non, c'est... Et puis, pour le coup, je trouve que le concept est bon. Faire du jeu, vraiment mêler les aspects vraiment purement jeu vidéo, gain de niveau, farm d'objets, tout ça, plus l'effort physique, je trouve ça vraiment très très bien. C'est excellent, ouais. Mieux que la Wii Board, par exemple. Tout à fait. Ouais, non, il est vraiment cool. Mais je crois que je l'ai eu à peu près en même temps que mon fils... Et du coup, bah voilà, comme on veut limiter les écrans, tout ça, je joue pas la console en fait quand il est là. Donc du coup, sortir le Ring Fit le soir. Ah, le soir il y a stream de toute façon. Oui, en plus, mais même s'il y avait pas stream, voilà quoi. C'était plus trop dans la vibe, quoi. Je trouve que c'est un jeu plutôt du jour, tu vois. C'est pas vraiment un jeu de la nuit, quoi. Je sais pas, moi j'aime bien toujours, ah ouais, un peu son temps. Ouais, bah je refais un peu. Bah, quand mes enfants ils veulent en faire, je fais allez hop, c'est parti. On fait chacun sa partie. Ouais, bah ça c'est clair. Pour le coup, c'est quand mon fils sera en âge de jouer un peu à la console, pourra faire ça. Ça sera. Y a pas de problème parce que pour le coup, ouais, c'est sympa. Je lui ai montré un tout petit peu Mario. Ouais. Mario Odyssey sur Switch. D'accord. Il est trop petit, évidemment, il a même pas 2 ans. Mais il est fasciné par les images. Hein. C'est là où tu te dis,
Voilà, il faut absolument limiter les écrans pour les enfants parce que ils sont tellement fascinés par ça. C'est incroyable. Nous là maintenant, on essaye de... Parce que c'est vrai qu'on a... on avait pris l'habitude de regarder la télé en mangeant. Et là, on est en train de couper progressivement. De plus regarder la télé en mangeant. Alors, il y a Yamayak qui dit « Si tu achètes un jeu sur PS4 dispo sur PS5, il y a une durée. » Alors, je sais pas ce que tu entends par là, mais... « Tu pourrais jouer sur PS5 comme si c'était un jeu PS5 avec un patch, pas de perte. » D'accord, ok, très bien. Mais alors, il y a une durée. C'est-à-dire que... faut que tu actives ton jeu sur PS5, genre 3 mois après l'avoir acheté. Si tu attends 3 ans, t'es foutu. C'est ça que tu entends par une durée de validité. Ah oui, d'accord, avec la date d'achat. Ok. À la limite, si t'as un pote qui a une PS5, tu te connectes à ton compte PlayStation sur sa PS5, t'actives ton jeu et puis... Et comme ça, t'es tranquille. Je pense que... D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si c'est ça, si j'ai bien compris le principe, à mon avis, c'est... Il faut trouver un pote qui a une PS5, tu te connectes sur ton compte PlayStation sur sa PS5 à lui, t'actives le jeu et puis comme ça, le jour où t'as une PS5, tu le retrouves lié à ton compte, quoi. Je pense. C'est vrai que c'est l'avantage quand même maintenant d'avoir des consoles comme ça liées au cloud et puis aussi proche, enfin avec internet tout ça, aussi proche du fonctionnement d'un PC quoi, avec les patchs et tout. T'avais une Super Nintendo, pas la même hein, pour transférer les sauvegardes. Hein. Ah non, c'est sûr. Fallait transférer la cartouche, bon. Par exemple, en 2022, tu pourras plus le faire. Ils ont déjà mis une... Alors, Gravity Craft, en fait... moi, je passe du temps sur les écrans quand mon fils dort, en fait. Donc, il me voit pas sur les écrans, pas tant que ça. Ou alors, si, quand j'ai besoin de travailler sur mon ordinateur pour le boulot, mais bon, ça a moins d'intérêt pour lui. Après, comme tu disais, Bazon, nous aussi, avant, avec ma chérie, quand on était que tous les deux, on mangeait devant la télé. Et bah ça, pour le coup, on a coupé aussi. Je crois que nous accueillons un... Si tu dis oui, on dirait le lion est mort ce soir. Hein. Je suis sûr que tu peux le faire. Ouais, je crois que nous avons un... Comment dire, c'est pas un gourou, mais un prophète, voilà. Prophète qui nous rejoint. C'est ça. Parfait. C'était parfait. Tu la record de Bazon? Non. Je ah pensé. Là là. Dommage. Comment vas-tu, Auré? Ça va, et vous? Ça va. Ça va, ça va. Hey, Magic. Qu'est-ce que tu fais sur le savoir créer? Hein? Moi ah. Je ne fais pas le terraforming de Magic, il va pleurer non. Aussi. Non, non. Je ne fais pas du tout une prank pour quelqu'un. Pas du tout. Mm-hmm. On ne saura pas pour qui, j'imagine. Non, mais c'est pas l'un de vous, donc ça me dérange pas si... Ok, c'est... on avait peur de ça, en fait. Évidemment. Tu veux voir le terraforming de Magic? Ah, pourquoi pas, ouais. Noter mes coordonnées. C'est le terraforming des montagnes autour de son volcan. Ouais. C'est carrément une vallée de une vallée de feu, on peut le dire. Mais plus ça va, plus tu fais des terraforming de ouf, en fait, Auré. Non, ça dépend de ce que me demande le client. Si le client me demande juste un petit truc, je fais un petit truc. C'est ce que Magic m'a dit, fais-moi une vallée avec plein de volcans et tout le tralala. Donc il l'a eu. Pas été faut juste que je mette TP Aurélien Sama ou ça va TP à moi ou c'est l'inverse? Attends. Voilà, TP moi. C'est moi j'arrive pas à me TP sur. À moins que ça ait changé, mais j'arrivais pas à me TP sur le créatif. J'avais pas les droits, je pense. Ah. De vrai. Pourquoi je lui ai dit si t'as besoin d'aide, dis-moi. Oh putain. J'ai augmenté à. Il y a 25 chunks de portée sur le serveur créatif pour que tu puisses tout voir. Ah bah, oh là là, c'est ah, c'était obligé, hein, sinon on pouvait pas tout voir. Hein. J'ai augmenté ma render distance. Ah oui, tiens, comme mes viewers ne perdent pas une occasion
de me rappeler de rendre Orana Corp rentable. Est-ce que ça t'intéresserait, Auré, un petit partenariat dans tes terraforming pour que tu intègres de la pierre de l'End? Et comme ça, je te ferai, sur chaque shulker de pierre de l'End vendu, je pourrais te faire un petit pourcentage. Le truc, c'est que je fais selon les demandes du client. Et... Bah, ils ont rarement besoin de pierre de l'aide. Oui, c'est ça le problème dans mon business, si tu veux. Mais si t'en glisses en sous-couche, tu vois, et puis tu leur dis que c'est pour consolider le truc. Ah, je crois pas que ça passera. J'en aurai peut-être besoin dans pas longtemps, Oran. Ah, très bien. Voilà, ouais, j'en avais utilisé sur mon église. Hein. Oui. Tu étais l'un des mes rares et bons clients de je sais plus quel mois. Mois d'octobre, peut-être. Mmh. Oui, tout à fait. La pierre de laine, c'est quand même rarement utilisé. Ah, pourtant, c'est si beau. Elle marche bien quand même avec, ouais, elle marche bien avec la sandstone et tout. Yes. Et le quartz. Mmh, tout à fait. Tu prêches un convaincu. Je prêche surtout sur la personne qui en vend. T'es-tu inscrit, Auré, pour les cadeaux de Noël, l'échange de cadeaux organisé par Vartak? Non, j'ai pas encore fait, il faut que je regarde c'est ça. Aujourd'hui, le dernier jour. Yes, c'est pour ça que je ah t'en bon parle. Oui, pour pas que ça fasse c'est comme le concours de minage. Il faut que tu parles. Bah, c'est pour Noël, non? Oui, mais en fait, non. Il a dit que les inscriptions c'était jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu serré, non? Bah, ouais. Prépare Noël largement à l'avance, lui. Bah, je sais pas, mais je me suis inscrit hier pour être sûr d'être dans les délais. Après, c'est il a. Genre, c'est tiré au sort et tu offres un cadeau et puis c'est la personne qui tirait qui a le cadeau, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Je vais offrir un terraforming alors. Pas mal. Hein. Moi j'en ai toujours un que je pourrais te demander, Auré. Sur un. Ah ouais. Sur un astéroïde en fait. Enfin. Sur une des îles de l'End, mais la transformer en astéroïde pour faire du. Comme une carrière, une mine en fait, tu vois, avec des minerais. Yes. Voilà. Ok. Ça peut le faire. Yes. Ah oui, en fait, Varta qui prépare peut-être la Saint-Nicolas plutôt que Noël. C'est peut-être pour ça qu'il est short en délai. Eh c'est possible. Hein? On fait jamais ça, la Saint-Nicolas? Bon. On fait pas Saint-Nicolas, nous c'est purement pour les enfants. Alors que Noël, toi, tu as justement le principe du cadeau où tout le monde met un cadeau et puis on sait pas vers qui ça va quoi. On s'est choisi aléatoirement. Enfin, on est choisi aléatoirement aussi au préalable avant et puis du coup on dit ah ben c'est tu dois offrir un cadeau à un tel. Tu sais pas qui t'en offre un. C'est aussi ça, mais ouais, mais. Yep. On fait pas la Saint-Nicolas normalement. Mais il est pas belge, Artax, si oh, je pas belge. Non, je crois pas. Il est français. Oui, je pense. Je pense, ouais. Oui, il fêterait la Saint-Nicolas. Il vient du Nord. D'Alsace aussi. Pense, c'est ton chat qui dit qu'il fait peut-être Saint-Nicolas. Oui, pour justifier le fait que non, c'était. Non, mais je pense que non. Je pense qu'il s'est dit qu'il allait le faire à l'avance. Mais... Ouais. De toute façon, tu sais bien les infos de chat. Allez, ça c'est fait. Et il y avait des guildes que t'envisageais en plus dans ta base, Auré. Ah, faire une guild. Bah en fait, les viewers m'avaient proposé, et je trouvais ça super intéressant, de faire une guild des astronomes, comme je suis dans l'espace, tout ça. Mais en fait, Zanzag, il a déjà intégré... Le problème, c'est que c'est Medieval Minecraft, donc... Ouais, mais il y avait déjà des observatoires au Moyen-Âge. Il n'y a pas encore de guild des aventuriers, et on peut dire que... Oui, c'est vrai. Ah. Parce qu'en plus, Zanzag, c'est, il a un... l'observatoire, mais c'est plus ouais. Des ingénieurs. Et du coup, tu peux te dire qu'à cette époque-là, tu vois, c'était un peu mélangé. Il n'y avait pas vraiment tout à fait. Astronome. C'était plus des ingénieurs qui faisaient un petit peu ça parce que ça les intéressait. Quoi. Yes. Et puis du coup, comme j'avais vu que Zanzag faisait un observatoire, je me disais que ça faisait un peu trop redondant, en fait. Donc, yep. Mais ouais, une guilde des aventuriers, aussi, ouais, ça pourrait être sympa, ouais. C'est un monde médiéval un peu fantasy. Il y aurait des aventuriers qui... Mmh. Ils vont se débarrasser des monstres, ce genre de choses. Yes. Donc, est-ce que t'as déjà quoi? T'as déjà une guilde des inventeurs? Une guilde marchande, non? Ouais, oui. Ça c'est moi. C'est toi la guilde marchande.
Roi, il a fait quoi comme guild déjà? Tu peux aider à la réalisation de la guild marchande avec moi, je l'ai pas encore faite. Ah, tu l'as pas encore faite? Techniquement, elle est faite, mais vu que tout le monde a fait une plus grosse guild, j'étais en mode bah la guild marchande doit être plus grosse. Donc j'ai dit que ma guild marchande actuelle c'était juste une dépendance. Et je vais juste refaire une autre guild marchande à côté encore plus grosse. Ok, ouais, non, mais la guild des aventuriers ça, me, ça, m'a, ça m'intéresse bien. Ça te va? Ouais. Je pourrais essayer de réfléchir à ça. Je pense qu'un guild des aventuriers en toute logique devrait être dans le quartier pauvre. Ouais, il y a c'est plus de chances que ce soit les pauvres qui deviennent aventuriers vu que c'est un métier à risque. Yes, et puis ils peuvent recruter plus facilement peut-être là-bas. Yes. Être plus discret aussi sur les contrats qu'ils peuvent. Yes. Yes, yes. Donc un truc pas trop riche, quoi. Yes, yes. Bah, pourquoi pas. Ok. Bon, par contre, c'est un peu comme... peut-être un endroit en fait qui peut être pas mal. Je voulais faire un truc, puis je me suis dit... arrêtez, je peux pas changer. J'ai après... changé certains plans. C'est comme d'hab, faudra pas être pressé. Tu es ? Je la veux finie pour demain. Oula. Bon bah. Oh, je vais demander à quelqu'un d'autre de la faire. Non mais tu. Tu peux éventuellement la faire en créa. Yes. Et on la refait tous en oui. Survie. Hein. Ouais, ouais, non, de toute façon, je pensais faire en créa. Surtout parce qu'en plus, j'ai jamais construit avec les. Le thème de ta base. Donc, pour faire des tests, tout ça, vaut mieux que je. Passe des tests en créa, je me sentirais plus à l'aise que de partir direct en survie. Et monsieur Magic, il montre son terra. Il montre ton terra à son. On a fait le tour là, ouais, j'ai fait le tour. Oui. C'est une sacrée vallée hein, quand même. Et elle est vide ou t'as déjà mis des choses dedans? Non, il y a des trucs dedans. Après, il va rajouter de la construction, mais oui, il y a des trucs dedans. Ah mince, j'ai pas le beacon. What? Je peux pas sauter. Allez, on va mettre un peu d'éclairage comme ça. Ils arrêteront de spawner ceux-là. Mais... Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Coucou Magic. Vous cassez ce que vous avez fait? Non, non. Non, à certains endroits, je tournais en rond dans le truc, genre je voyais des trucs que j'étais en mode, ça c'est pas bon. Est-ce que le mouton qui est là est compris dans le prix du terraforming? Oui. D'accord, ok, ça va. Il y en a deux compris en fait, il y en a aussi deux là. D'accord, ça va alors. C'est une affaire, franchement. Tiens Magic. C'est un beau terra, hein. Tu tombes bien, Magic. Ah, de toute façon, je voulais te parler, Oran. Faudrait qu'on se trouve une date pour notre vente aux enchères. C'est justement ce que j'allais te dire. Hey. Bah, moi, c'est quand tu veux. Hein. Bah, maintenant que les Olympiques sont passés, il n'y a plus trop d'événements de prévus à court terme. Donc, après. Ah, tu veux que j'en organise? Après, pourquoi pas faire. Pourquoi pas choses. Faire un petit... Je laissais un peu les gens organiser des trucs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui organisent des trucs, donc...
Bah là, on va avec Vartak, on va organiser du coup une vente aux enchères pour vendre la banque et puis éventuellement d'autres trucs. Il y a peu de monde qui s'est manifesté pour vendre d'autres choses. Donc après, on peut peut-être lancer déjà un Stropole pour savoir une date et puis peut-être que les gens vont se manifester. Voilà, s'il y a une date qui est fixée pour une grosse vente aux enchères, peut-être que les gens à cette occasion trouveront des trucs à vendre, quoi. Plutôt que d'attendre l'inverse. Du coup, bah, c'est quand tu veux, si tu veux, toi, faire le Stropole. Y a pas de souci. C'est vous qui organisez la vente, donc je vous laisse faire le Stropole. Ok. C'est logique. Et après, on verra. Faut juste trouver une date où moi, je suis forcément là, quoi. Yes, si exactement. Là, ouais, et puis les acheteurs potentiels, donc on pense aux grosses fortunes du serveur, évidemment. Ouais, Alps et Pierre, quoi. Voilà. Pas trop qu'il soit là si je veux avoir quelque chose. Ouais, mais en fait, l'idée. C'est quoi qui est vendu aux enchères? C'est la banque. La banque. Le bâtiment de la banque en soi. Ah. Et l'idée, c'est que ça rapporte beaucoup à ABC et Cube 40, donc désolé, il faudra que les plus gros acheteurs soient présents. Il faut que ça rapporte surtout beaucoup. Non, mais je vais farmer. Vous prenez combien de pourcents déjà sur la vente En fait, on n'a pas encore déterminé ça. Je pense qu'on va faire des seuils, en fait, parce que si on prend pour les petites ventes un faible pourcentage, ça ne va pas rapporter beaucoup, et sur les grosses ventes, ça va rapporter trop, donc... Ouais. Donc ce sera la tête du client, en fait, pour faire simple. Ouais, d'accord. Donc, c'est 0,1%, c'est bon. Ça passe. Au-delà de 10 000 diamants, ouais, pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait qu'on atteigne cette somme. Oh, ouf. Tu sais, des fois, pourrait être chaud et se livrer une bataille. C'est ça, juste ouais. Pour montrer qu'il y a la plus grosse en soi. Il pourrait s'emballer. Ouais. Les choses pourraient s'emballer. Non, 5 diamants, c'est le mieux que je puisse faire. Là, ne dis pas ce genre de choses, Auré, tu vas faire chuter encore plus les cours. Et à lancer. C'est vrai que là, j'ai bien fait de me retirer de la bourse, ça tombe un peu... Ah bah c'est le crack, hein. Les affaires ont été relativement mauvaises en novembre. Mm-hmm. Donc, ouais, ça, voilà. Faut que le Black Friday relance tout ça aussi. Oui, mais la Sainte-Frite, c'est vrai qu'elle est, elle est plutôt à contre-courant ces derniers temps. Comment ça? Bah tu montes alors que la bourse baisse. Ah bah oui, je livre tous mes terraforming. Exactement. Je suis extrêmement content. Aussi c'était pareil la semaine dernière et maintenant j'ai jeté, hein. Ça arrivera. Ouais, mais toi tu pars de haut, Bazon. J'ai encore qui demande des terraforming, donc ça. Alors du coup, Adrien, je fais la schématique ou tu la feras? Je la fais moi, non? Si tu veux la faire, tu peux la faire, ouais. Oui, d'accord. Non, t'as pas de modification. Comme je te voyais poser quelques blocs, non, je me suis dit, oula, je vais attendre. Je vois des trucs, des petits trucs, je suis en mode, oh, c'est un petit peu mieux comme ça. On peut toujours... J'ai jamais fini un terraforming, tu peux toujours oui, faire. Oui, bien sûr. Non, mais ça, après... De toute façon, je vais pas la faire tout de suite. Donc, ouais, si tu vois des petits trucs... Là, il y a de la cobble, là, d'ailleurs. Ça me choque un peu, là, la cobble. Ah oui, c'est parce que quand je terraformais, elle est restée là. Attends, c'est parce qu'elle était en bas, ouais. Yes. C'est ça, hein. Ok. Et au cas où, Magic, ouais, tu repars un petit peu sur faire des maps de temps en temps Le problème des maps, c'est que j'aimerais bien en faire beaucoup et que ce soit utile au serveur, mais en fait, on en a tellement fait, ça nous a pris tellement d'heures, ouais. Et au final, on en a vendu deux, quoi. Donc, je viens après. Il y en a qui sont bien, mais la plupart du temps, là. C'est plus les commandes spéciales qui pourraient être intéressantes. C'est voilà, c'est ce que j'allais te proposer. Moi, j'ai été très content de ma commande du Cube 40, là. Oui. Et du coup, bah, combien de maps ça dépend du design et de ce que tu veux dessus, en fait. C'est comme la vente aux enchères, c'est à la tête du client. Ah, voilà, c'est ça. c'est un devis sur mesure en fonction de ce que tu veux. Ok. Mais t'avais parlé de faire des ordinateurs, des écrans d'ordinateur. Et ça, pour le coup, je serais preneur. Alors, ça, oui, il y en aura, on va dire, en vente normale. Mm-hmm. Donc, je suis en train de. Il faut que je finisse une autre qui a un panneau de direction. Donc, c'est en fait une flèche sur une planche de bois, donc que tu peux donc tourner dans tous les sens si tu veux mettre des panneaux directionnels chez toi. Mm-hmm. Enfin, ça irait pas dans ton design à toi. Non. Mais, ça irait bien, par exemple, dans un biome un peu médiéval, Minecraft, par exemple. Ah ouais, mais qui peut bien faire ça sur le serveur? Je me demande, ouais, je me posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du médiéval Minecraft sur le serveur? Oh, quoi? Qu'est-ce que quoi? Là, t'écoutes pas, ce que je te dis. Je dis que j'ai fait un panneau de direction en bois, donc une flèche sur du bois. Donc, ça pourrait être intéressant. Bon, ça, tu peux les faire avec des panneaux.
Moi, à l'époque, j'avais fait une commande spéciale aussi de... Je sais pas si tu te souviens, Magic. De... Je t'avais envoyé un... Ouais, mais ton truc, ça prend 200 heures de travail. Là, pour le coup, c'est cher. Ouais, ça coûte cher. Hein. C'est pas faux. Non, mais il faudrait juste que je vois avec Aipierre, justement, pour ce genre de truc, on ait un truc qui crée la schématique automatiquement. Ce serait plus facile. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire mes maps, mais à l'ancienne, tu vois, genre sans utiliser de schématique. Ah. Tout ce qui est création perso. Et mais toi-même, après... tu n'utilises pas, parce que tu sais, il y a des trucs qui créent ouais. automatiquement une image ouais. en map. Je le fais moi-même, pixel par pixel, du coup. Mais, bah, ça prend pas forcément plus de temps sur du design simple. Ouais, mais en fait, par exemple, quand je vais faire un aplat de couleur sur Photoshop, genre un aplat de jaune, bah, le truc, il va te créer la schématique, des fois, va te mettre différents blocs jaunes alors que tu ne veux que des carpettes, tu vois. Donc c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc voilà, quoi. Bref. Bah écoutez, messieurs, je vais retourner à mes activités. Très bien. Très bien. Je vous fais des bisous. De même. Que plus. Ciao. Ciao. Bye bye. Hop. Bon, je vais essayer de finir vite fait ce que je suis en train de faire parce que je vois qu'il est déjà 16h. Quoi ? Et je vais devoir bientôt partir. Pathétique. Hop. Oh, j'ai encore tout ce pourtour là à faire. Voilà. Je crois que ça va être mort. C'est pas grave. Finira demain. Hop. Est-ce qu'il y a un snapshot aujourd'hui ? Ah ah, j'ai posé la même question tout à l'heure. C'est vrai. Ils sont toujours à. Tu sais, d'un coup ils se réveillent à 5h. Ah oui, en fait. Ils commencent à tous tweeter des photos de grenouilles là. Je sais pourquoi ils postent des photos de grenouilles. Mais quand même, ils se réveillent d'un coup et t'es en mode oui. Ils vont mettre des grenouilles dans le. Dans les petites. Non, non. C'est pour une autre raison. Je pensais au biome. Ah non, ça dit pas. Non, non, les biomes souterrains, mais verdoyants là. Ah, ils pourraient, mais je crois pas. Alors pourquoi ils passent des grenouilles ? C'est parce que il y avait un mème sur internet, sur Reddit notamment, où les mercredis c'était c'est le Wednesday my dude, c'est mercredi des mecs, et c'était une grenouille. Je sais plus d'où ça vient exactement, mais c'est le symbole de ça, c'était une grenouille. Et d'accord. Du coup ben, comme les snapshots pendant pas mal de temps et encore maintenant sortaient les mercredis, bah, y a des gens qui ont fait la version Minecraft. C'est une grenouille Minecraft qui disait « It's Wednesday, my dude ». Et du coup, Mojang ont bien aimé. Et depuis, les devs, à chaque fois, continuent de faire la blague. Quoi. D'accord. Voilà. Donc, voilà pourquoi ils posent des grenouilles. Donc en là... général, quand ils posent des grenouilles, c'est qu'un snapshot. De bonnes nouvelles. Toujours hâte de savoir ce qu'ils vont rajouter. Hop. Hop, allez, on va chercher les stone slabs. Aïe. J'ai raté. Aux enchères, on va... L'histoire d'enchères, Yvan Lacoque, c'est avec Vartak, ABC et Cube40 se sont associés pour faire une salle de vente aux enchères, et donc on fera une soirée spéciale pour inaugurer le magasin en faisant une grosse vente aux enchères, et il y aura notamment à vendre la banque de Magic dont il veut se séparer. Et bah, on espère que des gros acheteurs, pour ne pas les citer, Alps et Pierre, puissent s'affronter à coups d'enchères successives pour faire monter les prix pour acheter cette banque. Ce serait
une bonne occasion d'inaugurer les enchères. Et puis on espère qu'il y aura d'autres choses à vendre. Ouais, mais je pense que le mieux c'est de faire la banque d'abord, comme ça ils claquent toute leur thune, et après ils vont acheter des... Ouais, pourquoi pas. Moi je suis très goodies, tu sais, donc... Après, c'est un truc... techniquement, le gars qui achète la banque, après il peut se faire des auto-prêts, tu vois. Donc il peut continuer à participer aux enchères. Ouais, ouais, mais encore faut-il que des gens déposent de l'argent dans la banque. Ah, bon non, c'est pas obligé. Si. Ah bon. Mais elle vient d'où la liquidité, non, sinon. Une petite ligne sur un cahier de compte, ça marche bien. Hein. Cube 40 a été dans le négatif pendant quelques semaines. Hein, non, et... mais c'est surtout que s'il va emprunter, c'est la banque qui lui prête. Mais elle sort où les diamants, ils vont pas se léguer. Oh, un petit chèque. Et puis un transfert sur une ligne de compte. Moi, j'accepte pas le chèque. Hein. Oh. Maston Slab. Surtout en période de crack boursier, tu sais, le papier, c'est du papier. Hein. Ouais, mais le crack boursier et la banque, ça n'a rien à voir. La banque n'est pas la bourse. Ouais, même si je suis un peu comme toi, bah, hein, j'aurais adoré racheter la banque. Mais je sais d'avance que j'ai pas les moyens. Donc... 5 ans. Après, si Cube 40, c'est vrai que... comme Alps a généreusement donné un peu de liquidité à Cube 40, c'est vrai que techniquement, Cube 40 a un peu d'argent. Mais... pas sûr que ça fasse l'affaire. Hop. Hop. Du coup, ça marche bien les outils de Terra que t'as installés sur le créatif, ouais. Ah ouais. Je les utiliserai pas. Parce qu'avant, du coup, tu faisais tes Terra sur un... en solo. On sur comme... solo. Ouais, comme on l'avait pas moi, sur... Je suis un vieux de la vieille, moi j'avais juste besoin de voxel sniper et world edit. Mais je commençais à utiliser GoBrush et GoPaint, pas mal. C'est pas mal, pas mieux, mais c'est pas mal. Alors, j'ai fait le tour, du coup. On a plus que ça à mettre. Il me manquera un petit peu de béton jaune, mais tant pis. J'en ferai plus tard. Il me semble aussi que j'ai mis Arceon. Je suis même plus sûr. Ouais. Arceon, c'est la Rolls des plugins de build et de Terra. Moi, je connais que World Edit, mais c'est parce que je fais pas de Terra. Bah, Arceon, tu peux genre mettre des points. Et puis il va calculer des courbes de niveau automatiquement entre les différents points et puis te faire tout quoi. Ah ouais, nice. Par exemple, tu mets pour une voile d'un bateau, mets les points, les extrémités de la voile quoi. Et puis il te calcule tout et il te fait une jolie voile. Effectivement. Pour la surface de l'océan aussi, c'est bien. C'est pour faire des vagues. On ne répondrait pas à cette question. Pour faire des chemins, des ponts. Genre quelques. J'avais vu quelqu'un comme ça, je dis oh, ce serait bien qu'on ait un pont là, comme ci, comme ça. Et le mec, il fait tac, 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 tac. Et puis hop, t'as le chemin qui apparaît. Genre avec des courbes et qui monte automatiquement avec des dalles et tout, jamais, hein. En mode what? Ouais, mais est-ce qu'il y a encore le plaisir de la construction? Ouais, c'est du créatif. Oui, c'est vrai. Je veux dire, tu peux passer 3 heures. Moi, le mérite, voilà, je reste. Tu peux couper ta pelouse avec une paire de ciseaux, oui, t'as du mérite de l'avoir fait, mais t'es surtout stupide de l'avoir fait. Moi, je parlais pas de mérite, je parlais de plaisir. Bah, comme ça, tu prends plus de plaisir à faire d'autres trucs. C'est vrai. Oui, non, mais ça me gêne pas.
Ça me dérange pas, c'est un petit peu comme Lightmatica. Hop. Ça existe, ça fait gagner du temps en survie, voilà. Tu peux t'en passer, mais... chacun a ses limites, certains diront, bah moi j'utilise pas Lightmatica, d'autres diront, bah moi j'utilise Lightmatica, puis d'autres seront en mode, j'utilise Lightmatica plus le mode Easy Placement. Voilà, chacun se fait plaisir comme il veut. Hop. 16h11, je devrais avoir des codes depuis 10 minutes, Lobby, pour répondre à ta question. Mais j'ai un peu de marge. N'inquiétez pas. Mon enfant n'est pas à la rue. Si c'est dans le froid, j'imagine bien. Pas encore. Hop. C'est pour vous que je reste, les viewers. C'est beau, non? T'arrives pas à décrocher dès que tu commences. Non, mais là, j'ai presque fini. Plus qu'un bloc, encore un bloc. Hop. Voilà. Bon, il manque juste le béton jaune. On va le faire. Allez, j'avais dit que je le crafterais pas, mais il n'y en a pas pour si longtemps que ça. Hop. Un petit peu de sable. Un petit peu de gravier. Il est où mon gravier? Il est où? Un petit peu de colorant jaune, c'est vite fait. Pas 3 heures. J'ai du colorant jaune. J'en ai. Hop. Voilà. Que là, on peut pas laisser ce truc comme ça avec un trou en plein milieu, c'est pas possible. Youp. Et voilà. That's it. Et paf! Voilà, on a fait nos deux plateformes. Bon, elle est pas reliée encore au reste de la tour. Pas très très grave. Il m'en reste du béton jaune. Oui, mais il était durci, Gravity Craft. Alors que moi, il m'en fallait du poudré. Bon, et bah du coup, je vais pouvoir déconnecter la Oranacam. Hop! Hop! On va faire un petit screenshot pour la rediff. Mettre là. Hop, toujours pratique le vaisseau de Vartak pour servir de point. Wow, j'ai cru que j'allais glisser, purée. Pour servir de point de vue. Bon, et bah du coup on va se laisser là. Qui stream? Tuk tuk tuk. Qui est en stream? Il y a l'ami Z. On va host Z. Hop. Alors attendez, la pub pour TikTok, on va s'en passer, merci. Tchouk 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 tchouk. Z. Et voilà, voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream du mercredi après-midi. Comme d'habitude, c'était très 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 sympa. Merci Bah, merci Auré de m'avoir accompagné en vocal, c'était chouette. Ça change de un rien, peu de... Je t'enverrai la facture. Il faut que je fasse monter la valeur de Sunfruit Industries, hein, même si c'est une entreprise privée. En tout cas, du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en compagnie de la Mised ou sur tout autre stream qui vous plaira. Et nous, on se retrouve ce soir pour les difficiles aventures à 21h. On continuera notre gratte-ciel. Et demain soir, 21h, pour Holycube à nouveau, on continuera notre tour de commandement. Bon après-midi à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.